aya partagé mogo mogo ni anga jëm kan partagé ala ki sarake arjana fardousui à l'ère des infos pertinents dans tes faits son analyse ne bala le mabraw masamie alaye obeye sokel kokala maiga son excellence sokel kokala maiga son excellence malila sorodumbara anga premier ministre sanmoba di masamie alaye sokel ye bazoum aya datuna aya chwakono ay amakuma mesa ngo sokel son excellence ay bazoum datuna aya chwakono sokel son excellence ay Macky Sall aya datuna aya agolon sokel son excellence Alassane Dramane Ouattara aya datuna aya noni akono sokel ko malien ko Johnny John oni Jani awo Jean abekele ko Souleymane Ousmane Dembaye ko goto flow côté awo sokel ko ko masami alaye ko fade sago sabanunu to bu jon sabanunu ko me fe djega yele an jamana ma sokel ko ko fo fo ka djewlu ko teke ko parce que an bura an yere kalama parce que qu'est-ce qui manquait aux maliens c'était l'art de leadership qui nous manquait seulement nous on avait demandé Dieu que de nous donner des leaders masami alaye ala Ousmane Ouattara masami gabu an kalima o alaye to ka masakila la ka masake da ama no sokelire no premier ministre on est Assimi Goïta son excellence o kele bazumu amena la atura la kabina do anga sokelika ko quand il voit quelqu'un si il est mess il faut lui demander si c'est la maladie ou c'est la naissance si c'est la maladie il faut lui frapper jusqu'à demain awo abena la oh yeah mais si c'est la naissance il faut lui laisser. Ah, il faut lui laisser. De... Il faut damer, frère sang. Il faut laisser, sinon il va te gifler carrément. Masami alaye bazumu yalana boutrini gomekan. A ben alati aki. Sokel son excellence. A ko bazumma. Ko si l'armée Niger n'est pas à la hauteur. C'est pas le cas chez nous au Mali. Si l'armée de Niger, les terroristes sont plus forts que les armées de Niger, ce n'est pas le cas chez nous au Mali. Donc, Massami Alaye, ce que l'État brousse, aurait que Bazoum. Quand Bazoum Boka bi, vraiment à la place des Nigériens, on allait enlever Bazoum au pouvoir. Moi, je ne peux pas ancrer dans ma tête qu'un président terroriste peut insulter toute leur nation à ce niveau. De par là, il dirait dominant. Bébika Sourassi encouragé. Ali Barayorola, quand il y a l'équipe de 4 personnes, bien vrai qu'ils n'ont pas toutes les capacités, il va faire équipement. Que vraiment, vous êtes les gens qu'il faut. Il faut faire du courage. Parce qu'on va arriver à Canada Blade, Nabekatan Tola, Amese, Amen Dronke, Nain Kekani Fraka, Nain Fraka, Abeketa, Bebourike. Ça, c'est l'art de la dirigeance. Massami Alaye, le président de Niger, Bazoum, il est tellement payé par les Blancs, il a tellement vendu son âme. Il insulte les corps militaires qui lui protègent. Bazoum a dit au peuple nigérien que les terroristes sont plus forts que les soldats et les militaires de Niger, notre pays frère. Il a failli que le ministre et le président du Mali sortent pour vraiment être le président de Niger. À l'époque, Sokel allait être le président de Niger. À l'époque, dans les années 845, si un leader insulte sa population à ce niveau, un autre roi, un autre king, un autre digne fils du pays, d'un autre tribe peut venir et régner là. Donc, ni en me folofolo là, Sokel kumeta Niger mara ben ana kratie. Awa ben ana kratie. Oh yeah, Sokel kumeta Niger mara ki sika kuna. Foi te bola. Herbe shi, herbe clé, whatever be foko. Masami alaye Bazouma a insulté la population de Niger. Les dix fils de Niger, Bazoum n'a qu'à dire que Bazoum n'a qu'à dire que Bazoum n'a qu'à dire. Vous êtes des guerriers, vous êtes des combattants et vous tenez bon jusque-là. Vous avez eu des succès, vous avez atteint les bases, vous avez marché sur les bases. Ils ne sont pas au-dessus de vous. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. L'ennemi, ils ne sont pas au-dessus de vous, aucunement. C'est des mortels.
ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées, qui sont plus aguerris que nos armées. Vous êtes des guerriers, vous êtes des combattants et vous tenez bon jusque-là. Vous avez eu des succès, vous avez atteint les bases. Voilà. Leader Flakumakaname. Ça, c'était le langage de Ibe. Ibe est finitigi de Surasiridou. Ibe est fou que Surasou n'yana, que vous êtes des combattants. Vous êtes des guerriers. Que Fanga Baoula, Abse Kelela. Que Ika Amatoma ou ça fait 600. Que Herebe Chi, Herebe Kli. Ibe est fou que Surasou n'yana. Ça, c'est le langage d'un leader. Djamanyamogo est mon fils encouragé. Et Djamanyamogo est mon fils démoralisé. Mais quand tu regardes d'autre côté, le terroriste embauché et le terroriste qui est au pouvoir, il dit à sa population que leurs militaires ne sont pas à la hauteur, que les terroristes sont plus forts et plus dotés que leur pays. Et Alanakira, un pays qui est autant riche comme le Niger, un pays qui a autant de richesses comme le Niger, un pays qui est autant vaste comme le Niger. Un terroriste, un président terroriste, Bazoum, c'est un terroriste 100%. Bazoum ne peut pas être qu'un terroriste. Bazoum, c'est un terroriste à 300%. Wallahi billahi soumatallahi. Parce que ni moi, il a chié clé. C'est là maintenant, son excellence, tonton Soguel Maïga, il vient en beau geste technique. L'homme en communication. L'homme en doctorat de la communication. L'homme, d'où les mauvaises dames du Mali ont essayé de lui toucher. Et j'ai parlé à mon président Assimi Goïta de ne jamais écouter les malprudents, de ne jamais écouter des oiseaux de mauvais air. Parce que cette putain de manière de politique ne va jamais marcher devant moi, mes yeux dentés, Inch'Allah. Nul ne sera trahi dans notre transition. Choguel, le digne fils du Mali, Choguel qui est venu à l'air, au bien portant, quand Assimi avait des problèmes, c'est Choguel qui est venu régler. Ce même Choguel est sorti encore. Son excellence. Le docteur en communication, l'homme avec la tête sur les épaules. C'est-à-dire, moi, je suis le Kodjane. Moi, je suis le Kodjane. Je suis le Kodjane. Je suis le Mais il ne peut pas mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'école. Soguel n'est pas parmi ces gens. Soguel tout Djamala. Moi, je suis le Kodjane. Avec Kalanfo, je ne suis pas. Mais ni quoi, ma kaka pratique qui a tissé, qui a kenaï. A tissé. Avec comme une malie politicienne, tu m'as mis beau, ou analyse beau, ou quoi. On de la bille, téléphone, et bololo sans faire. Mais on va faire vidéo partagée, n'y a la main. Avec Akuma, il ne fait que parler, mais il ne donne pas de solution. Avec Idjoko, aménissement mettant, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit. Mais il faut nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Attends qu'on fasse. Ça, c'est des politiques anciens. Nous, on veut des hommes pragmatiques. Il faut dire aux hommes bicheurs du Mali, si tu ne peux pas être un homme pragmatique comme Choguel Maïga, comme Assimi Goïta, comme et Ablaï Diop, et puis vraiment, et Abdoulaye Maïga et les autres. Ni c'est que pragmatique et drôle vraiment ambidatouna tchikono. Nous, on n'a pas besoin des réciteurs. On a besoin que des hommes qui peuvent vraiment pratiquer les dits. C'est tout ce qui compte ici. Execution, execution and execution. Masami Alaye, Choguel Kogala Maïga, il a exécuté vraiment ce bonarien. C'est l'homme qui ne vaut rien. Un homme qui est élu par tâtonnement. Un homme terroriste qui est en train de diriger un beau pays frère comme le Niger. Vraiment, mon loi kabunturu ne banala mabagao. Anga soka le kakuma la main, anga soka bazoum gatuna, anga gola kono, masame alaye, anga name. Récemment, quand j'ai vu une interview où j'ai entendu le président du même pays nous rappeler que nos forces armées de sécurité sont plus faibles que les terroristes. Que les terroristes sont plus forts, sont plus aguerris, sont plus forts que nos armées. Mais en période de guerre, ça c'est l'intoxication, c'est la guerre psychologique contre son armée. Dans des bataillons de guerre, c'est lui qui se met à faire une propagande pour démontrer que les soldats sont inférieurs. Il pactise avec l'ennemi, volontairement ou non. L'armée malienne, en tout cas en ce qui la concerne, même si on dit en Bambara que ce qui vous est destiné à vous le connaissez, même si on ne vous dit pas, nous savons à qui ces mots étaient adressés. Notre armée n'a rien à voir avec ces propos. Nous avons confiance totalement à notre armée et la preuve est faite que c'est aujourd'hui elle qui terrorise les terroristes qui sont obligés aujourd'hui d'aller s'en prendre aux cibles molles. Donc, cette histoire des terroristes plus forts qu'une armée, je crois que c'est ailleurs. Ils le tiennent pour dire, c'est pas chez nous au Mali.
Voilà Sogel Kogala Maïga. Le monde paysan et les cadres du développement rural. Masami Alaye, Sogel Borassan Sansan, ka bazoum datouna, ka tchouakono. Sogel est mounefo bazoumma, a y kanto bazoumma. Ko guerre psychologique. Mouro mina yba bi dakono, arama dien, jama nyamoro. Tumam na yba bi dakono, ko eke jamana surasi, ko uluka fegen. Ko jamana wore surasi, que ça soit terroriste ou un autre pays, quoi que ce soit. Kuluka grinika jamana ye, ko depuis yoro la, ko tia assassiné psychologiquement votre armée. Donc, en un mot, c'est Bazoum qui est la raison que le Niger n'arrive pas à gagner la guerre contre les terroristes. Parce que Bazoum même, c'est un terroriste. Comment on peut gagner la guerre contre les terroristes quand vous avez un président terroriste qui est en train de diriger le pays? Il faut dire seulement que les terroristes sont les présidents du Niger. Donc, ce que l'on fait Bazoum, ce qu'elle vient de dire à Bazoum, avec un très bon slogan français, c'est un homme de la communication, il dit que Bazoum, c'est un terroriste. Parce que quand il a dit que c'est la guerre psychologique, que ça soit, tu dis intentionnellement ou inintentionnellement, c'est ce que ça veut dire. Ça ou de faut toi quand nous, n'importe anglais de faut, mais toi quand famille. Aïe, quand tu ko Bazoum y a comment faire sur la souma, ko botro faut être Bazoum na kono. Bazoum y a arrêté d'être un gola kono à ce qu'a boire de là, à ce qu'a demain. Abi comme ni sendo yoro du la ka golon ka tike kwa ka toy abalane meto donc on écrit Bazoum na. Bazoum sendo na da kono. Yefom. Donc, c'est des pactismes. C'est-à-dire que Bazoum, c'est un homme qui a pris des pactismes. En un mot, Bazoum a pris la côté dont il vient. Bazoum, c'est un terroriste. C'est dans les films, c'est dans les images, c'est dans les photos. Quand le Mali négociait avec des terroristes, mes chers Nigériens, Bazoum, il était parmi les leaders terroristes. Les terroristes m'entendent. C'est la vérité. Bazoum, c'est un chef de rebelles. Bazoum, c'est un bandit. Bazoum ne veut pas que la guerre prenne fin. Car c'est Bazoum même qui est en train de faire la guerre. Et piller son pays. Et démoraliser les 10 fils de Niger. Mais vraiment, je suis désolé. Je suis désolé. Et les Niger sont en train d'anticiper ce putain de cas comme si c'est normal. Ce n'est pas du tout normal. Mais bon, Bazoum, il y a des datoum dans le choix. Il y a des choses à partager. Il y a des choses. Ce qu'elle m'a dit à Bazoum, il y a des choses. Non, non, non. Sogel Mada Bazoumma, Sogel Klakatami, Sogel Nanafo Amériki. Sogel il est venu aux États-Unis. En Amérique, il y a Kanarda Masami Alaye, Kanarda Amériki Prisanyana, Kanarda Francis Prisanyana. Sogel a ira Francis Prisanyana, on est Amériki Prisan, ko ante ma chika di Maloni, ante ma boksuke Baloni, ko Mali Kumolo, les Maliens ont la tête dure. Et les Maliens sont éveillés. On n'a pas besoin de leçons de quiconque que ce soit. Sogel, ce n'est pas un homme stratégique seulement. Sogel Kogala Maïga, son excellence, c'est un visionnaire. Il a prédicté les malfaisances des États-Unis et de la France. Il les a mis en garde. Il les a prédicté leur mauvaise gérance et ce qu'il veut faire. Et il les a dit que ça ne va jamais marcher. Pourquoi a-t-il marché? Parce que la population malienne est derrière leur gouvernement. Pourquoi Tinabé? La population malienne est derrière notre armée. Donc que les États-Unis et la France sachent que il faut aller chercher un autre camp. Ça ne sera pas le Mali. Et Amadou Maré, il les a rencontrés l'histoire quand ils ont partagé l'Afrique depuis dans les années 45. Écoutons notre digne fils, le chef de l'État, premier ministre du Mali, et qui reporte directement au chef de l'État, Assimi Goïta. Aïe, Sogel Kogala Maïga, Makaname. Vraiment le digne fils du Mali. Personne ne va conduire les Maliens à douter de leur armée. Parce que c'est une façon de nous avoir. Nous savons très bien. Oui, il y a eu des civils qui ont été tués à Moura. Mais quand les populations de Moura étaient prises en otage pendant des années, qui a parlé des droits? Quand le gouvernement a envoyé une mission à Moura, on a compté. On a interrogé les populations sur le terrain. On ne peut pas comparer ça à quelqu'un qui vient nous dire qu'il a placé un satellite, qui a filmé je ne sais quoi, qui a interrogé je ne sais qui a été à quel cimetière, et qui vient maintenant, de façon coordonnée, faire tomber le ciel sur la tête des Maliens. Faire tomber le ciel sur la tête des Maliens. Et nous savons bien lire, nous savons ce qui se cache derrière ça. Oui. Il y a quelques années, les Maliens avaient perdu confiance en eux-mêmes.
Oui. Vous savez, le schéma est très simple. Non. En 1884, non. On a partagé l'Afrique, on a rasé la tête des Africains à leur absence. Oui. L'Afrique a été partagée en zone d'influence. Allah Akbar. 1884, non. À Berlin. Berlin. Maintenant, la technique, il faut la changer. Non. Il faut amener les Africains à douter de leur armée. Wow. De leur état. Mm. Les délégitimer. Non. Comme ça, les populations vont sortir et prier des forces étrangères pour venir les sauver. Allah Akbar. Et leur confier leur destin. Allah Akbar. Les Maliens ne mangent pas sur atelier. Non. Je voudrais donc inviter tout le monde, comme nous l'avions fait jusqu'ici, de faire bloc autour de notre armée, de faire bloc autour des chefs militaires chez nous. Inch'Allah. Ils ne commettent aucune exaction. Où étaient ces messieurs lorsqu'on a égorgé des Maliens à Gélope? Non. Où étaient ces messieurs? Non. Lorsqu'en Déliman, plusieurs dizaines de militaires maliens ont été tués. Non. Une base construite par l'étranger. Non. Financée par l'étranger. Non. Dans laquelle, comme par hasard. Non. On oublie de faire un forage. Non. Pour donner à boire aux militaires. Allah Akbar. Sachant bien que dans le désert, comme le besoin de l'homme, c'est l'eau. Donc les militaires sont obligés de sortir, aller dans les hameaux chercher de l'eau. Allah Akbar. De l'eau. Entri Allah. Entri Allah. Eh, Sogel Koukala Maïga. Eh, docteur en communication. C'est-à-dire, qu'on est Sogel Koumana quoi. Sangolo be yerere, Dougolo be yerere, Aramadou be to yorokele, ou la sobsek à la mec quoi. L'homme qui a maîtrisé la communication. Tonton Sogel Koukala Maïga, son excellence. Eh, Bazoum, yé Bouti Bougrindjela. Eh Joe Biden, ye bochi bourundjela. Eh Macron, ye bochi bourundjela. Sogel, ah la nakira. Que si c'est la maladie ou c'est la naissance. Si c'est la naissance, il faut le laisser. C'est comme ça Dieu a voulu le créer. Sogel ko to buma. Kuka donga fo. Ko en 1844, quand ils ont partagé l'Afrique, les Africains, les Maliens se souviennent de cela. Sogel ko to buma. Kuka donga fo. Comme Massami Alaye, comme nous on ne mangera pas cet repas. Mais ils ont oublié de mettre des forages pour que les gens puissent avoir l'accès de l'eau à boire. Voilà ces démons qui sont venus en Afrique, soi-disant que Dieu les envoyait en Afrique pour venir nous baptiser, comme les Arabes. Les Arabes sont venus, soi-disant qu'ils vont nous rendre des musulmans, que Dieu nous a, et les a renvoyés chez nous. Les chrétiens sont venus et ils disent que Dieu les a renvoyés chez nous. C'est comme ça qu'ils sont venus en Afrique. Et quand on leur a dit non, on a déjà nos traditions. Enquête au bambolo. Enquête au bambolo. Ouma soma. Okele ouye marfa la boka anfa. Kaso ka anjagouya. Kan blaka biblou kalaka kourane kalafo ka anjatounan duran kono. Voilà les mêmes gens. Après 600 ans. Après d'avoir partagé l'Afrique sans l'Afrique. Après d'avoir coiffé nos têtes. Sans notre présence. Et vous venez encore en mentant. Et en disant n'importe quoi. Nous sommes très fiers de notre armée. Nous avons des armées dignes. Ce n'est pas nous qui sommes des assassins. C'est vous des criminels. Vous êtes des criminels. Et le monde est au courant. Quelle était la dernière fois l'Afrique était en guerre? Qui fait la guerre chaque année dans ce monde? Qui tire plus que tout le monde dans ce monde? Qui est toujours en train d'inventer les bombes? Qui a le plus grand budget national du monde quand ça vient de l'armement? C'est nous les criminels. Qui a fait l'esclavage? Qui a fait l'esclavage? C'est les Africains qui ont esclavé quelqu'un. Donc, ce qu'il y a, il roule à Kafo, Kouka Bouanga So, ou quand Mme Nakoui a été marché, il peut aller faire au Sénégal ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Ou bien c'est qu'il attaque le Sénégal, ou bien c'est qu'il attaque Abidjan,
vous savez qu'attaquer Niger comme vous voyez déjà. Ils sont déjà installés dans ces trois pays. Mais ça ne sera pas le Mali. Hein. Des malfaf, il faut quitter de chez nous. Voilà comment Choguel a mis l'Amérique. C'est-à-dire l'Amérique qui s'est rire, qui a s'est rire, qui a s'est rire, qui a s'est rire. Il faut qu'il y ait un peu de temps. Et Joe Biden, il faut voir comme il m'a l'air. Joe Biden ne va jamais s'amuser avec le Mali encore. Il a compris ce que Choguel a dit. Ça a été translé. A translé la casserole. Macron compte au Macron lui il est fouti. Macron bi Macron a discours bi Macron discours mge bi Macron est en train de faire le même discours de Choguel Kokala Maïga wallahi devant les Européens. Eh malien diou tie ibaro ko tie fo ka di je kono quoi wallahi ala kan ke tie fo lai wallahi ala kan ke mo ni fin cliné ni ala ya armaden ke mo ni fin cliné wallahi jebe blela me te malo fo ka di wuli ni ala ya armaden ke mo ni fin la drie ibe talon ibe prepara ibe to mai bloka wallahi te malo i djoute si la fo ka di wuli ni na fo au nyana mo français président avec a Choguel ke discours dont la kala tectus devant l'Union européenne. Français président Kouma Bi devant l'Union européenne. Qu'est-ce que Macron a dit aux Européens? Macron dit quand aux Européens, qu'on loue qu'à Djamana Yerama Horoya, qu'on lui auto autant boulot, qu'on sait qui était l'erreur. C'est ce que Macron a dit. Ça, c'est pas le dit des Maliens. Maliens, on est mafou, qu'on est flic, on est blanc, on est blanc, on est blanc, on est blanc, on avait des problèmes de leadership. Le Mali n'a eu que des problèmes de leadership. O la nene gouvernement korom roye ou be boka manaka fo nyebe demse ni to kan fo la bawla ou be ka boka fin kou be kou analyser au foire de nounou quand vous dirigez le pays pendant 30 ans pourquoi vous n'avez pas réglé l'affaire du pays. Il faut aller vous asseoir. Il est temps pour nous la jeunesse, Assimi Goïta et ses frères, vous devrez être des spectateurs et vous allez applaudir. C'est ça votre boulot avec toute sincérité. Il y a d'autres boulots à faire. Vous n'allez jamais participer dans l'affaire de décision critique de notre pays. C'est fini, on ne peut pas. Parce que vous avez déjà eu votre chance et le blanc est médiocre. Donc, de ce fait, Macron met qu'à Choguel le discours d'État. On est Abdoulaye Maïga le discours. On est Abdoulaye Diop le discours. Macron est en train de faire le même discours devant l'Union européenne. Macron dit quand aux Européens, qu'on lui a dit autant, qu'on sait qu'il y a de l'erreur. Macron dit quand il est temps que l'Europe décide pour l'Europe. C'est ce que Macron a dit. Macron est à fond, n'est-ce pas? Président Macron dit aux Européens, il est temps que l'Europe décide pour l'Europe. Il est temps que l'Europe décide pour l'Europe. C'est ce que Macron a dit. Je vais jouer Macron. Et ce serait plus encore aujourd'hui, alors que se joue justement, avec la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine voisine, tout simplement l'avenir de notre continent. Et qui se joue aussi pour beaucoup dans cette région. Et d'autant que nous sommes aussi à l'orée d'un mois qui résume l'ampleur de nos enjeux stratégiques avec le sommet de la communauté politique européenne demain à Chisinau, puis un conseil européen important pour l'avenir de notre Union au mois de juin, partagé. Et enfin le sommet de l'OTAN à Vilnius. À et au fond, avec ces échéances, je crois utile de vous livrer avec beaucoup de liberté comment je vois les choses du moment que vit notre Europe sur le plan géopolitique. Voilà presque 20 ans, notre Union ouvrait ses portes à la Slovaquie et à d'autres pays libérés de l'emprise soviétique. Ouais. Ce n'était alors pas seulement un élargissement de notre union, c'était le retour dans notre famille de ceux dont nous avions été trop longtemps non. Séparés. Et je ne crois pas en effet qu'il y ait une Europe occidentale et une Europe orientale, au fond une vieille Europe et une Europe nouvelle. Ce serait perpétuer la frontière artificielle imposée pendant des décennies par l'Union soviétique. Il n'y a qu'une Europe. Une seule trame, faite d'histoires mêlées, de diversité, mais avec cette volonté d'unité géographique, géopolitique, et de bâtir au fond un récit commun. Ok. Ango analyse follow. Je crois que c'est ce qui nous réunit. Macron, pour qu'on ait forcé ça, européen, il y en a. Macron, qu'on européen, qu'on Europe flatté, qu'on Europe clé, un but, une fois, un peuple. Macron, pour un coup de fort européen, il y en a. Quand j'ai dit, quel est le un peuple, un but, une fois. Un peuple, un but, une fois. Un peuple, un but, une fois. N'était malika slogan, n'est-ce pas? Quand donc, l'Europe peut se séparer, que l'Europe peut se séparer. Macron, m'a dit, Macron, claque, quand les Européens ont fait, comme ma famille, Alaye, Kouloué et Rerke. Ni organiser une architecture qui nous prémunisse, via l'OSCE ou les autres projets envisagés à l'époque, contre ces agressions.
Quant à la réponse de l'OTAN, c'était au fond trop ou trop peu. Une perspective offerte à l'Ukraine et la Géorgie qui exposaient ces deux pays à la vindicte russe sans pour autant les protéger et avec des garanties qui étaient beaucoup trop faibles. Et nous avons manqué de cohérence en tant qu'Européens. Nous avons apporté donc des garanties insuffisantes à certains pays qui étaient à nos frontières. Nous n'avons pas engagé la Russie dans un dialogue de sécurité pour nous-mêmes. Voilà. Et au fond, nous avons délégué ce dialogue à l'OTAN. Ok, délégué. Voilà la réponse et qu'on doit donner et aux autres Maliens politiciens. Macron et Aboua Dakono, qu'ils ont délégué leurs affaires aux autres. Macron, qu'on a dit que Djamana, ou l'Europe Joli, qui a attaqué le monde, délégué Koro, qui a dit que ne dante ka barre de communication, ni a dit que le monde a dit que le diplôme de la communication, ne a dit que le monde a dit que le monde a dit que le alhamdulillah, ne a kalane que le diplôme sur la kakla ka accompagne d'Alain, ka war sur l'Américain, ka film tourné et ka fin de ke, ne a dit que le communication n'a pas été bonne, mais il a dit que le monde a dit que le monde a communication que le monde a. C'est ce qu'on appelle la délégation. Le Mali a dit quoi à la France? Que nul ne peut aimer le Mali que les Maliens même. Mali aurait faux français. Mali ne faux français. Comme Massika qui est Mali fait qu'être Mali en camp. Ce n'est pas le discours de Maïga et Choguel. Macron ne cause sans couler erreur que couler ou que Djamana Djoli. Kouya abré takadim vraiment. Les politiciens maliens, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de dire? Où l'État Fouanyana, la Russie n'a pas d'argent. Pourquoi on va être partenaire avec des gens qui ne donnent rien, des mendiants? Est-ce qu'on doit être partenaire avec quelqu'un à cause de l'argent? Si tu veux l'argent, il faut bosser. Il n'y a pas de voir sur le rey. Il n'y a pas de voir sur le rey. Donc on ne délègue pas sa souveraineté. Donc, on va faire un commentaire. Le français est quoi? Il y a un homme qui a attaqué le calfa de Dieu. Le français est quoi? C'est ce que la France a dit. Avec Kerbla. Avec Kerbla, je veux 1200 partages. Donc, c'est le Mali qui est en train d'apprendre la France comment communiquer devant la scène internationale. Macron est en train de prendre le même dialogue des dirigeants maliens et il est en train de prendre ça comme récipi et montrer ça au monde. Voilà, Macron vient d'évoquer que et ils ont la France, l'Europe même a déjà contracté sa souveraineté. Donc voilà pourquoi on ne peut pas s'associer avec la France. Est-ce que Mouni Djamana Seka Djeka Barake Djamana Mi Yerek Kalfalen O Mourela Djamana Mi Yerek Président Koudrou Beka Boka Fo Koulou Masekou Yereta Koulou Ka Djamana Tanyen Kouya Kalfa Mourela. Voilà pourquoi les politiciens maliens détestent Assimi Goïta. Ils disent que le Mali doit sous-traiter notre souveraineté. Ou Beka Assimi Kalendron La Mourela Djurouta La Soko Le Madelika Semroma Ama Mouro Faneni Ama Mouro Baneni les politiciens maliens disent que nous, comme le dit de Bazoum, c'est la même chose, c'est le même produit. Hein. Bazoum nous sommes dingue. Mali politiciens courant nous à 99% ani Bazoum ou Beni Bazoum Befanibala. C'est des hommes incompétents. Et dans le même temps, nous ne sommes pas sortis des dépendances que nous avons plutôt continué de renforcer à l'égard de la Russie, en particulier en matière énergétique. Et donc nous devons être lucides sur nous-mêmes, nous n'avons pas été cohérents dans notre approche. En venant ici, je sais quelle a été l'expérience de nombreux d'entre vous pendant la période soviétique et je sais pourquoi, avec raison, chacun est déterminé à ce que cela ne se reproduise pas. Et c'est aussi mon engagement. Tout pays a le droit de choisir ses alliances et ce n'est jamais une menace pour les voisins que d'opter pour la liberté, la démocratie, la transparence. Ok. Ma bana. Ko galonte mena boula. Macron est causé sa dala. Ko tout pays a le droit. A le droit. De choisir ce qu'il veut faire l'affaire avec. Macron, ko sharabe djie be boulot, ko mami djia ino ka baraka n'yon fait. Macron n'y a fode. Mais ma samye alaye, Macron te denye, Macron bama de oulo. Ali bi, Macron tara, Francis tara Algérie. Kata Algérie ministre des Affaires étrangères yininga. Ko pourquoi oulé irisi la ka avion tue a ka pa ou kwa djamana kouna. Vous avez vu, c'est les gens, ils vont jamais changer. Mais voilà, Macron même dit que, ko djie be kan a ka partenaire choisi. Mais pourquoi ils sont en train de se battre contre le Mali? Pourquoi? Parce que Mali a un partenaire choisi. Mali a quel est? Pourquoi? Autrement, Français qui sont en train Français qui sont malien. Non, Français qui sont malien. Donc pourquoi Français va faux? Quand même c'est qu'il a un partenaire choisi. Mais on a un partenaire choisi. On met quel est? Voilà. J'ai pu le vérifier avec force avec les grands partenaires du G7 au Japon il y a quelques jours.
Le fondement de la Charte des Nations Unies demeure l'égalité souveraine et il n'a jamais été la souveraineté limitée. Et c'est à ce titre aussi que ce qui se joue en Ukraine aujourd'hui n'est pas simplement une question européenne, mais bien une question pour l'ordre international et la paix partout dans le monde. Voilà. Donc vraiment, voilà le monsieur, il n'y a pas de problème à faux. Quand Sogel est en train d'apprendre le monde entier, Sogel est en train de dire qu'il n'y a pas de problème. Sogel ni Maïga ni Job, ou bien qu'il n'y a pas de problème. C'est à cause de eux, tout le monde est en train d'apprendre comment s'exprimer devant la scène internationale. Voilà Malika Kelebe Fleni. Malik Kele Kumbe Fleni. Quand Malik Kele, Malik Koukawa Ereta, Malik Koukou Mgotna Aleka Terira Allah, Malik Koukou Mgotna Fualenyena, Mamigang Alek Gardi, Malik Koukou Mgotna Aleka Kelekaï, Kairabaka Kelekaï Rey. La France vient de dire la même chose. Bien vrai qu'il est plus pur. Francisco Koulou et Ererke. Ko passe Koulouka Yerema Kandaya Koulouya Kalfa Outana. Qu'on oublie jamais que l'Europe ne va plus être pareille. Kakla qui canto, que leur dépendance de la Russie doit changer, qu'au côté d'énergétique. Mais en sortant, avec mon effort, que la Russie te kakeleke et l'Ukraine doit faire, que Russie te kakeleke Djebe fait. Mais toi, tu oublies quand vous avez attaqué l'Afrique, vous êtes chez nous il y a 10 ans, jusqu'à présent, vous êtes chez nous. Et y'en a nous quoi? Entre du coup, toi, tu y'en a nous quoi? Donc voilà, mes chers compatriotes, j'ai manié mon soumou, mais qu'à en diriger. Voilà pourquoi on bébé voter, qu'à Foko, oui, en a. Et de Sharia Kura là, ne Allah son ama, à l'ère des infos pertinentes dans tes faits, son analyse. Ame boye mendado, masake ware la tourni, masami alaye, djamanya mou nyanama ware la tourni, kadaka nga bi baro kadi, me klaka djie international nous ou da ou mané Allah son ama. Ambola Ermina, kouika nous manke, kine nous manke, comme roba blé idjamouna. Tare tare, ko beka nous manke, comme mousso bete tare wolo. Masami alaye, pour kaka donga fo, ko anga jama nyamoko nunu ku be barla ko die bebe katku no fe ko mali kono ba foko on tay video ke ko ambe wuli ko vive vive o rete fari sa ko kuma kan ya mawa non on tate vive 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 vite ne mo si tem mo bele la me bebo doni la ni gouvernement ma ke kan ya ne be boy foko samperen be ba doma me ngori ngundi nga jama na ton mada ngori ngundi nga jama na ira ni mbolon kuru ye ngori ngunga president nga me nyoko glan katra ngori do asimi ne ya fo dala ko lui n'est pas parfait kalita bedon. Et à la nakra. Demain, je vais vous dire que un bon leader, c'est un homme qui est vulnérable. Bon, il faut contester. Dire que je ne sais pas, c'est l'art de la leadership. N'est-ce pas? Demain, je vais vous dire que c'est un secret. Il y a une femme, une djotala. N'est-ce pas? Même si je vais vous dire que c'est ça un leader. Un leader, c'est locomotive. Donc allez ben wagon ne carré là wagon mon monsieur ka to parce que ça m'a tombé là mon ba demain ka pousser c'est ça leadership donc akou ka te soudima on te bodron ka tout présent quoi mais toi quoi nga jamana nyamoko de do c'est lui le locomotive nous on est condamné ka tout quoi masami alaye baram me ka ke the bodies of the work iba donc body the work de do masami alaye fona ya senta ka bon mali dafa iba do la ko jaja ko mali ko tetouni ça c'est devenu l'affaire mondiale. Djopu de Bora, Masami Alaye. Hé, Kabeta, Asin, Seme, Seme. Kabeta, Djien, Kumako, Kumako, Fou, Djien, Dugumoro, Wore, Ouye. Djopu, Kele, Wouke, Ne, Bola, Na, Mebakao, Abdoulaye, Djop. Une pointe noire. Bienvenue, Son Excellence. Masami Alaye, Djopu, Sele, un ponti noir. Abiki, Konoko, Djopu, de ponti noir, président, Abben, Alana, Kratche. Mais, Nga, Tche, Mou, Djama, Bora, de, Iba, Foukou, Alkiyama, Sera, Tout, Temedou, Ni, Alana, Kratche. Mou, de Bora, Ka, Djopu, Kumbe. Ka, Djopu, Mabalma. Ka djopu fanda, ka djopu fo, ka djopu wolimandon, ko vraiment ko djopu ni bara. Eh ni met dessous do frafit de ngono sa. Djaja ni barake, mo ba blay jamuna. Djaja ni barake, ite soudour bi moye. Djaja ni barake, frafin te fisir wale, djam mo lan kolo ni be mo lan kolo ya ke frafin mu djafa. Ay djopu kuna e kumbe tro la je. Ni met dessous do mo min kono mali kono. Fo ki saite dessous sur tourni a la je. Donc, Masami Alaye ne barakela kumetrodi, kaira belakafo, kumali kura,
ko ni ne do ye famu ni ne mali kurai kana ta ro jane mali kura beri ile fle nyane ta ni e barake amba bli jamuna ni ma barake ambi datu non tu kono o regala le medoma donc on t'est as sous droubi mo reka prison il na faut ko ni foire des prison sous nou e ga nerwa ha prison mouli beta al frafi kataka tana kata ko lo waire ka endu prison na kata mana ko kabi ibri ko se voye un leader comme ça e ga nerwa e mo ni te goloi donc en tout cas en tête donc une musique manée ou en temps fori chena tangenye donc n'inganga barani du sudo bekono bon job manana américain c'est la même chose à tradou dougoula c'est la même chose voilà il faut envoyer message à Alassane Ouattara et à Macky Sall et à Bazoum c'est pas Bazoum et Alassane Ouattara et Macky Sall qui a dit que le Mali est en train de s'isoler non c'est Macky Sall qui est en train de s'isoler maintenant c'est Macky Sall qui est en train de se cacher dans son propre pays à cette heure-ci donc et à me comment la Hermina c'est chaud au Sénégal. En grande au Sénégal là très rapidement. À me comment la Hermina, ça va pas chez les Sénégalais. Mais les Sénégalais ont avertissé. J'ai avertissé la population sénégalaise. Je leur ai dit que moi je suis un analyseur. Ne te fais pas maîtriser tes doigts là. Je les ai avertissés et je vais continuer à les avertisser. Nkulube ou Katchero mangana c'est ça. Koni fait son au soro kube kurita ke Macky Sall. Je vais dire aux Sénégalais encore une fois, il faut fesser votre destin. Votre manière de combattre, c'est bon, mais c'est pas bien. C'est bon. Et le bon ne compte pas. Ça doit être très bien. C'est pas la manière. Vous êtes en train de vous faire souffler. Avec comme il met un bon temps, et Mathieu Minaïkan a gagné la finale là. Et bien, il est demi-finale là. Et il est bédi. Ni ma demi-finale là, ni mi bédi, il est sérieux. Il sait que la finale là. Donc, Sénégal, le combat de révolution sénégalais, ils sont en train de se battre. On dirait qu'il ne veut pas aller au final. Moi, je vous ai dit que si l'être a mis et sa tête sur quelque chose, il va faire tout pour l'avoir. Macky Sall veut régner votre pays encore pour la troisième fois. Et si ce n'est pas lui, il va faire tout pour mettre quelqu'un d'autre. Mais il va préférer de mourir avant que ça soit son goût. Mais même si on vous met à la place de Macky Sall, vous allez faire la même chose. Macky Sall sait que si Sonko vient au pouvoir, mais ça va être son queue. Parce que Macky Sall n'a fait que du bêtise au Sénégal, tout le monde le sait. Donc, il faut vraiment faire tout. Et si les Sénégalais ne s'assument pas, il va vraiment assassiner le monsieur. Je les ai dit et je vais répéter. Il y a bientôt 2 mois. Et ce n'est pas tard, c'est sur la table. Les Sénégalais doivent fesser leur destin. Les Sénégalais ne doivent plus rentrer tant que Macky Sall est au pouvoir. Macky Sall ne peut plus diriger le Sénégal. C'est fini. Mais si les Sénégalais ne s'assument pas, ça sera que des pertes de temps et des bavardages. Chaque jour, des photos, après des photos. Donc, au Fora Sénégal, on y a Kouka Bola. Le monde est derrière votre pays. Nous sommes avec vous. On va vous supporter. Nous sommes de cœur avec vous. Mais vraiment, il faut faire votre combat. Vraiment, c'est très difficile de supporter des gens qui sont en train de faire des combats comme ça. Ah, la Diamouma Kaké Sénégal, à Kagalombo. Explosion de violence, Dakar, le scénario était redouté. Dans les rues de la capitale sénégalaise, les partisans d'Ousmane Sonko défient les forces de l'ordre. Ils sont descendus peu après l'annonce du verdict. L'opposant de 48 ans vient d'être reconnu coupable de corruption de la jeunesse. Il écope de 2 ans de prison ferme, mais il a finalement été acquitté des principales accusations de viol et de menaces de mort. Pour les avocats de la plaignante, c'est tout de même une victoire. Les menaces, Ousmane Sonko est déclaré coupable de corruption de la jeunesse, ce qui ne le blanchit guère. Cela veut dire que des relations sexuelles ont existé, mais il y a un problème au niveau du consentement. Mais compte tenu de son statut, il a pu influencer, exercer donc une influence, une intimidation par rapport à cette jeune fille. La même peine a été prononcée pour incitation à la débauche à l'égard de Daïka Didiaye, la patronne du salon de beauté où Ousmane Sonko était accusé d'avoir abusé d'Adji Sarr, âgé à l'époque de moins de 21 ans. Tous deux doivent payer conjointement 30 000 euros de dommages et intérêts à la victime. Jugé par contumace, celui qui ambitionnait de se présenter à la présidentielle de 2024 voit son éligibilité compromise. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur une éventuelle arrestation. 2 ans d'emprisonnement ferme suffisent à ce que Ousmane Sonko ne soit pas candidat aux élections. Les voies de recours sont encore là. Nous sommes prêts, n'est-ce pas, à envisager des voies de recours.
Très populaire chez les jeunes, Ousmane Sonko avait appelé ses partisans à se mobiliser massivement. Ces militants du PASTEF, les Patriotes, le parti qui préside, dénoncent un complot. Ce dossier judiciaire est un dossier vide. Il n'y a rien. Aujourd'hui, on le condamne tout simplement pour qu'il ne participe pas aux élections. Parce qu'il est le seul capable de les battre aux élections présidentielles. Et lui, il n'a pas le droit de faire un troisième mandat. C'est pour un troisième mandat qu'il est en train de tout faire ça. Nous n'allons pas l'accepter. Nous allons apporter la réponse politique appropriée. Il s'agit de notre avenir et de notre tout. Donc, les balles à la mabrao, voilà Sénégal encore devant vos yeux. J'ai dit ça à Sonko. Moi, je ne pense pas que quelqu'un aime Sonko plus que moi. Mais c'est qu'à foire demain. Foire demain, c'est qu'à foire demain. 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 Les Sénégalais doivent s'assumer. Macky Sall ne peut pas rester au pouvoir. Vous ne pouvez pas. Il faut cesser de rencontrer votre vie aux gens. Si il fait ça, wallahi, on va faire ça. Si il fait ça, nous, on va pas laisser passer. On va mourir. On va pas laisser. Il faut sortir dans ça, le peuple sénégalais. Il faut aller enlever Macky Sall au pouvoir. Il faut du coup d'état au Sénégal. Macky Sall va tuer tous les Sénégalais avant qu'il quitte le pouvoir. Et si vous ne faites pas ça, ce monsieur-là, il va mal finir. Parce que pour Sonko là, Sonko croit que c'est de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement pour des hommes politiques et pour les gens comme Macky Sall. Les Macky Sall ont vendu leur vie. Il a vendu son âme. Ce n'est plus un humain. Vous n'êtes pas en train de vous parler avec, de parler avec un humain. Donc, il n'en a la justice. Ousmane Sonko, condamné à 2 ans de prison ferme. Donc, Massa me alaye. Que Sonko be sans flaquer Kasso là. Mais pourquoi? Parce que Sonko, si on aille en élection, bien vrai qu'il ne gagne pas, mais il va vraiment, ça sera difficile. Parce que moi j'ai dit, si Sonko aille en élection avec Macky Sall, il ne va pas gagner. Que cela soit très clair. Il ne va pas gagner. Et tant que Sonko n'est pas en prison, quelqu'un d'autre peut-être peut gagner. Mais Macky Sall préfère de mourir avant ça. Donc voilà la réalité, ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que les Sénégalais vont faire maintenant? Ils vont s'asseoir et danser Sabarni? Ou ils vont commencer à sortir chaque jour et dire n'importe quoi, sortir dans la rue? Et on tire les gens, on jette les cailloux sur les gens? Ou bien si on tire à Sonko, que Dieu ne fasse pas? Ou si quelque chose arrive à Sonko, que Dieu ne fasse pas? C'est ça, le Sénégal va se. Les Sénégalais vont se réveiller parce que moi, je n'arrive plus à comprendre. Parce que tout a déjà été fait. Quelle épreuve n'a pas été faite ici à ce monsieur? Mouni Makala. Mouni Makala, au bac sur africain, parce que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que quelle épreuve ce monsieur n'a pas subi? Il a déjà subi tout. Et une femme a vendu son âme. Elle a l'audace de sortir et dire que le monsieur lui a violé. Qui va te violer? Qui va violer femme en 2000 avec tout le respect? Hein? Une femme comme toi. Les Sénégalais n'aiment même pas les femmes comme toi. Nous, on connaît votre culture. Les Sénégalais aiment les femmes qui ne sont pas dans tous ces guan. Les Sénégalais, ils n'aiment pas, c'est les gens qui se marient, qui ne couchent pas avec l'homme, sauf s'ils sont mariés. La plupart des Sénégalais, la fois dirait que je me souviens. Les Sénégalais, tout le monde connaît ça, ça c'est la valeur sénégalaise. Les Sénégalais se tiennent jusqu'à leur mariage. Les gens qui viennent d'une bonne famille. Et cette dame, elle n'est même pas une bonne Sénégalaise. Et Sonko, il peut avoir n'importe quelle femme qu'il veut au Sénégal. Voilà une femme de rien du tout, une femme vendue, elle n'est même pas belle, elle est en train de gâter le pays, toute une nation. Et tout le monde est assis au Sénégal, on dirait que c'est pas grave, Mashallah, Serigne Touba. Il faut laisser Serigne Touba en paix, parce que Serigne Touba, il a fait son boulot. Il faut vous assumer, vous allez vous assumer. Il faut sortir et enlever ce monsieur avec son gros ventre au pouvoir. C'est ce que vous devrez faire. Et je vous ai dit, et je vais répéter de vous dire, si vous ne faites pas ça, vous allez détruire votre pays à la capacité que vous n'avez jamais imaginée. Mais il faut que les Sénégalais s'assument. C'est ça la réalité. Tous ces beaux discours-là. Et il faut cesser. Macky Sall, il n'en a pas fait. Avec Amarfa Tchitchela. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Chaque semaine, chaque jour, le Sénégalais sort Macky Sall, Sonko. Mais il faut faire quelque chose. Vraiment.
Il est temps de faire quelque chose. Et le monde est derrière le Sénégal. On est de cœur avec vous et nous sommes avec vous. Et, mais on veut que les Sénégalais se battent jusqu'à leur dernier bref. C'est ça. Avec quelqu'un qui est. Parce que Macky Sall ne va pas changer. Il faut l'enlever au pouvoir. Il y a un jeune Sénégalais qui a dit ça. À Kantoko, Maliko Rokoni fait un Sango Soro. C'est trop tard. Pourquoi tu attends que quelque chose arrive à Sango? Donc il faut vraiment enlever Macky Sall au pouvoir. Ambola Elimina, Ambola Kassoro. Masami Alaye, co Sénégal et co Thierry Sara, co l'un des plus grands et partisans et l'un des plus grands et c'est-à-dire ou quoi opposant bas, mon opposant boni bétail, co Uyo fera quoi. D'après et Aziz ne ment pas. Sénégal. D'après mes sources sur place, Sidiya Diatta, grand leader d'opinion et à la tête d'un mouvement patriotique de la ville, tué lors des affrontements. Ko Masami Alaye, ko uka patron Barobe, uka révolutionnaire Barobe, ko Sidiya Diatta, ko ya fara. Yefam. Donc Macky Sall est en train de tuer les Sénégalais chaque semaine. Hein? Donc vraiment, moi, je prie le ciel que les Sénégalais, vraiment, ils aillent au palais et enlever ces bandits. Et enlever ces bandits, car c'est un bandit. Tout le monde le sait, c'est un bandit. C'est devant le monde est votre témoin. Moi, je vous ai dit que l'international communauté ne va pas venir vous aider. Nya fo, nyana. Hein? Il faut faire la même chose que le Mali a fait. Il faut faire la même chose que Guinée a fait. Il faut faire la même chose que Burkina a fait. Il faut enlever ces gens au pouvoir. Ils sont en train de faire le travail de leur secte et de leur et des blancs. C'est ça leur boulot. Ils n'ont pas d'autre vie. Ils ont tellement de secrets sur eux. Ils ne peuvent même pas parler. C'est des hommes vendus, je vous jure. Ils sont tous vendus. S'ils ne sont pas vendus, comment peut-on comprendre qu'après 600 ans, l'Afrique n'est pas construite? C'est impossible. C'est les gens qui voyagent. Ils aiment des belles choses. Nous, on en a Dubaï. Ou peut-être Dubaï, hôtel Bordeaux. Ils ont des voitures très chères. Et vous n'avez pas vu Yaya Djamé quand on a dit de fouler Malika. Yaya Djamé avait les plus belles voitures du monde. Il ne conduisait même pas. C'est les hommes de classe. Hein? Mais c'est les hommes vendus. Ils ne peuvent pas construire leur pays. Il construit ou bien faut oublier pas de onjo mais masami alaika mo blou sanga droit qu'on faut zombe blala mais c'est qu'à abolir parce que pourquoi c'est qu'à jamana jo parce que c'est les hommes vendus l'affaire leurs agréments c'est de ne pas construire leur pays, c'est pas ça leurs affaires. On leur donne ces papiers à l'échange de leurs ressources minières, papiers de rien du tout, c'est papiers que les blancs prennent. Donc il faut que les Sénégalais s'assument. Je vais prier pour eux, mais ce n'est pas la prière seulement qui va faire l'affaire. Abetra Macky Sall Minadi, il faut aller enlever le bandit au pouvoir. C'est ça la vérité. Explosion de violence à Dakar. Le scénario était redouté dans les rues. Donc c'est grave. Hein? Les Sénégalais l'État. Ouais. Très grave. Vous voyez, les Sénégalais, c'est très chaud là-bas. Malheureusement, ça c'est chaque semaine. Donc, on va voir, on verra. Reina. Mais vraiment, Mali Sourassou, il faut Alsa, vive nos femmes, vive aux braves armées maliennes et les braves soldats de notre pays frère et Burkina Faso. Ambola Erimina, en garde au Burkina là le plus vite possible. Mais que la cadeau Mala Tourni, Kairaoula Mali Dengou, Moufou Malima, Yanan Asse Bima, parce que Massami Alem Machetina. Mais Mala Erimina, Burkina Ko, vraiment, Koulouté, Donkeni, Musique Mandouye, Waoutou Fariché Natouye. Ibe te Koulangeke, a te Koulangeke donc. Ibe, le président de Burkina Faso, ce n'est pas un procrastinateur. Ibe, c'est quelqu'un qui écoute et il prend les notes. Ibe Kokanga Walia. Ibe, ensemble, sauvons le Mali. Ah, au sommet, Ibe la koni, Djaramene Djaradou, ou la Kouadne, Ibe Simodou. Eh, Masami Alaye, Ibe ko Burkina be do Brixila. Ibe dit que Burkina va rentrer dans le monde de Brisk. Burkina Faso sera parti parmi le monde de Brisk, Inch'Allah. Awo. Ibe ko kale bobo fane sakwa la qualité to buka fo la tourner. Parce que abadon ibe dauli terke de King Jong Un. Son meilleur ami c'est King Jong Un.
après Kim Jong-un, Turquie, après Turquie, c'est la Russie. Il veut aller tout au bout d'un. Il parle pas des États-Unis, il parle pas de la France. Non, 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 non. Au Kleningoni, il n'a pas de. Allez, Francis, allez, Francis Ramian. Bon, bonnet, bonnet. Bon, Agnabala, ça, Alassane Ouattara-Béka Douakan. Maintenant, Alassane dit que lui va aider Ibé pour battre les terroristes. Moi, je vais avertir Ibé, son Excellence, si tu ne laisses pas Alassane Ouattara en paix, tu vas plus être président de Burkina. Je te dis, hein. C'est une mauvaise plume. Ni gra ladron, il doit trouver un à la Kankishi. Il faut l'éviter de tout coup. Quand Damimba s'est approché à Alassane, c'était la fin de sa vie. Donc il faut laisser ce monsieur. C'est un gars, il fait des gris-gris. Il faut le laisser. Dès que tu vas t'approcher à Alassane, c'est fini pour toi. Je te dis, oh, je parle avec des gens très proches de lui. Quand tu t'approches de lui, son gris-gris ne va pas te manquer. Moi, je m'en fiche. Qui est ton magicien? Qui est ton marabout? Je t'ai averti avec toute sincérité. Quand tu t'approches de Alassane Ouattara, ça sera la fin de votre présidence. Je te dis la vérité. Donc, ni à Tacho, ni à Blacho. Massimo Korobo. Atenyabo, ni au Korobo, Korobo. Ça, je t'ai averti avec toute sincérité, son Excellence. Il ne faut pas prendre la main d'Alassane. Il faut laisser tout ce que Alassane va te donner. Il faut laisser Alassane avec son problème. On va faire notre combat de terroriste. On a commencé sans lui. On va finir sans lui. Maintenant, Alassane Mbeka Diabe Wole. Eh Alana Kira. Eh Alana Kira. Amena Ibe Deme Kelela. Eh Ibe Antoine Ibe Deme Kelela. Il faut laisser Alassane en paix. Il t'a trop de caille. Vous êtes en train de bouger en vitesse. Et nous tous, on sait que Burkina va être construit. Avec un leader comme toi, non, Burkina va aller au sommet. Donc, Massamie Alayene Balan Mbakao. Ibe Koko Burkina Bedo Briskiri là, à la main. Tenu hier au ministère des Affaires étrangères avec tous les départements techniques, 12 départements techniques. Donc il était important avec Madame la ministre des Affaires étrangères qu'on vienne rendre compte du contenu de ces discussions-là et des modes. Le modèle que nous allons utiliser pour pouvoir sélectionner un certain nombre de projets, discuter avec nos partenaires originaires des pays BRICS pour leur mise en œuvre. Donc ça, c'est la première étape d'identification de projets. Et la deuxième étape, la présidente de BRICS Alliance, puisqu'il faut savoir que BRICS Alliance, c'est le lien entre les pays des BRICS et les pays non membres des BRICS. Donc la présidente de BRICS Alliance sera ici le 12 pour pouvoir installer officiellement le BRICS Alliance, ouvrir les portes et en même temps créer un pont entre le Burkina Faso et les BRICS. Et donc c'est tout ce travail-là que nous avons fait et nous avons fait le compte rendu au président et il nous a donné le feu vert pour qu'on puisse continuer à travailler pour le Burkina Faso. La quoi? Eh, bolan la babagao, masami alaye, aure ni mea ukulu la de, mesa, omase alakalla. Voilà. Nye Burkina prisane, kale te to djouan la touni, aye kale be chenibo aere kana, kate to mou osika fadin sagouya la. Ibe, ce n'est pas un procrastinataire. Ibe dit au monde de se taiser. Chut. Eh, omakou, je suis au travail. Je suis en train de travailler. Ibe ko kabina gidron da an briski tchè. A pour se folo en mouye, quoi qu'un membre ou rencontré que donc allez ibé qu'abena membre ou rencontré donc masami alaye ou que c'est qu'à dos brisque la tourmina parce qu'à me comment la hermina les membres de brisque sont en Sud-Afrique maintenant ou bien qu'à brisque mon gang à ta brisque là ils sont en Sud-Afrique à me comment la hermina sans ou c'est que les Sud-Afriques ils ont fait la nouvelle soro. Donc voilà un président qu'on doit vraiment féliciter. Il va le mouiller ibéni asimi kodjanea ça dit ou qu'à ou quoi compétition positive une cadenée quoi parce que maintenant ici ça malif fait maintenant n'yonaké même pas d'où ils sont assis mais qu'à anga faire n'écono comment dirais-je anga projet de loi katemé mais maintenant tout va changer donc ni Burkina tara dron en fait donc Burkina a décidé que et ils vont rentrer en brusque ils vont commencer les procédures ils vont rencontrer les membres de brusque au qui vont mettre les routes donc ce qui sont les procédures d'ailleurs donc vraiment on doit dire au Burkinabé que nous sommes très fiers de eux ibé vraiment à la kishimaya.
ala ki simaya ala ka jibril kam gum biri ini asmi guita kan oni mamadi dumbia mashallah ala kana ujugu saula me aye ala san watrani makisal ni bazum ne baw deli parce que abutu ka sura se fini ndola ka obulu kuru ka otoba kana ka ureken nege din ay ala san eviter il faut éviter Alassane. Alassane, il faut l'éviter. C'est un mauvais, il est de mauvaises ordures. S'il a maîtrisé un gris-gris là, c'est ça. S'il t'approche à toi, tu vas dire. Non, tu collaborer. Ah, kana kumoko kobe dona be, il kobe dona tere. Ay atoy. Laissez-lui en paix. Ayen famu aka don tobe, ameka ale ka don konté, ame marba sa do dona inshallah. À l'aide des infos pertinentes. Moi Dante, j'ai fait mon analyse. Ambola Hermina dusube Burkina be ko no de. Burkina be ko to dum tuguni. Oyou kanto masame alaye, les Burkina be ont inventé leur propre drum en ingénieur. Awo. Burkina be ou yure ka drum bo. Kuka jamana kubuka ubuka militaire ou kubu demen. Burkina a inventé leur propre drum de guerre pour doter Ibrahim et son armée. Eh ala nakira. Ke emoroku jamana djuma, emoroku jamana djuma. Muni mo dessous ta quoi. Il y a pas de limite. Quand un homme prend gros cœur là, il y a pas de limite. Ingénieur du Burkina Faso walking on the own drum to protect the own drum to protect the country with the own technology. Invention Burkina be vitesse là. Oh, Ibrahim Koko, tout est breaking news. Analé aka discours pour l'amour de Foko, tout est urgent. Et il n'a pas menti, hein. Le méchant là, c'est lui là, tout est urgent, hein. Vraiment, entre Burkina et les Maliens, on a cette différence, hein. Burkina be nous vraiment ou quoi télé. C'est vrai là, Mali a un coup de tiers et canalaï. Un coup de mangaine, mais mouye oyo et quoi. Nous sommes trop lents, c'est la vérité. Burkina Flené, quand drum n'est inventé, aïe la même. Mais invention, il y a pas là. Parce que invention, il y a un frafin à baradi quoi. Je vais vous parler de ça, plus on parle. Concevoir et fabriquer des drones pour aider les forces de défense et de sécurité. C'est le pari lancé par de jeunes ingénieurs burkinabés. À travers leur unité de conception, ils entendent utiliser leurs ressources et compétences pour lutter contre le terrorisme. Reportage, Fanny Noir-Ocabré. Depuis plusieurs semaines, ces ingénieurs burkinabés travaillent sans relâche à concevoir, réparer, assembler et programmer des drones sur place. Avec la crise sécuritaire que le pays traverse, les demandes sont nombreuses. Nous, on permet en fait de pouvoir assembler sur place. On fait les dimensionnements, on fait le diagnostic en fonction des cahiers de charge. Et maintenant, on achète les composants. Et maintenant, ce qu'on peut produire sur place, par exemple, ici avec les impressions 3D, on le fait. Et ce qu'on ne peut pas, on a des partenaires avec qui en fait, on peut acquérir ce matériel-là. Pour l'instant, tous les composants sont pas faits sur place ici. Parce que nous avons une certaine limite en termes de capacité technologique. Jusqu'à 3 drones par jour peuvent être assemblés et programmés dans ces locaux. Ils sont destinés à des entreprises privées ou aux forces armées, l'un des principaux partenaires de la structure, qui veut apporter des solutions concrètes, flexibles et autonomes dans la lutte contre le terrorisme. Des solutions innovantes aussi avec cette salle de contrôle. Quand le drone vient avec les données, nous avons la possibilité dans cette salle de produire des cartes 2D et des cartes 3D pour l'exploitation sur le terrain. Et le dernier né, c'est ce drone, baptisé Invictus, invincible en latin, un drone de largage. Son but, jeter des charges explosives depuis le ciel. Si les obus utilisés ici sont en plastique, ils ont la dimension et le poids des vrais afin de tester le drone dans des conditions réelles. Wow. C'est un drone qui porte des charges. Donc, le Burkina Faso, où il y aurait un drone inventé, mais elle savait qu'il y a un progrès de Chamankala. Mais ça, c'est à s'allier. C'est-à-dire, ça crée les génies de la population. Amoula Hermina, l'ADEMA et l'UR2, disant oui, le RPM est en train de le faire en piste détachée. Masami, Alaye, ADEMA, l'UR2, nous avons voté un projet de loi. Mashallah, nous avons oui. Malien, nous avons dit que nous avons Mokoko ibene la même Mokoko qui ensemble sont le Mali noé Mali bay parce qu'en berbe djaka djamana djo aman djija ka boy na foko kono kulu masami alaye katanga djamana kataka blemay abafara yefom ni blemay dira o madro abafara blemay iba faradi iba fomu na le diri madro iba fara kala fli sadi blemay re de manga yikun fengo na la na me be fli abikuni iba le faradi sadi blemay lui n'existe même pas na nga ketro yola. Donc ni benana le iba le keta mbalmage alere ni benani nota iba le keta est-ce que a fami ko sobe iba keta
Est-ce qu'il y a un femme? Il va quitter. Est-ce qu'il y a un femme? Il est noir et est-ce qu'il y a un femme? Il va quitter. Kosobe, madame, on y a mon nez à le métier bégal, le métier d'un s'il vous plaît. Il va quitter. Est-ce que Nebeka fera tout comme Gagna? Il est noir et pour que Akanaye ou Flair n'y a quitter. Il me sera à Kourou. Naï Jaiba Blida Konoga. Pour Gagana, voilà, mais il me sera à Bli Possibono, ni Boreba Philippe. Abana. Donc, avant de dire non, ni ne me que non. Beka donc faut que mon nona ye famu donné bala malien amola ermina yani nga djie nouvelle tour de oma aya partager aujourd'hui c'est le jeudi le premier jeudi 1er 2023 amola ermina ambalma mounoumbe et Niger immigrant on est donc malien mounoumbe Niger c'est des immigrants pour un barbe ambalma ou dalay ou bora Algérie ou tarou fli Niger ou talen fli Niger masami alaye et ou taradou mominganga mali mominganga blou nyama au te qu'on considère Kosovo malheureusement d'après ce qui ou yemou fonyana donc ba ni mali autorité au fait et avant am Kosovo beke en ministre seulement bambe en immigrant sutura aka baraketo kain fui masro et sara ministre nakama kekanya mali deli ala kama aka Kosovo beke aka tra malien no fait Niger mena vidéo kaula c'est très très pitié vraiment ou be condition mina abara ma din de wali ban mais président masro ne ba don président mena la main job bene la main jaw bene la main bo bene la main masami alay alhamdulillah rabbil alamin abeni rotke ka duma anga taka nga balmo no fait ka bo bazum ci ko lon dinga jamana kona la le plus vite possible na ci mu me jana kan de meki don tribo donc ama envoyer au luma ko kasi nana ci don tribo ro ku ko ka demen do ama ku ga nga boya ngwa ko ro fili bare banga ya sungaro fe algérie sur la sibuni a zantra mu na polisi do mena ko dat mu pasola adrali village mi to ko irgani ko dat mu pasola irgani do mena na sungaro fe do mena na salife do ire mena na sali tele saba donc ay karo kele ni ke irgani pasola o karo kele mo kono ay toro be ya nyala ko ngoy do foka o yuto ko bo do sara bo li ka fe do mi telefoni tu ta mbole no mi na o fika telefoni ka wori ka fe ngo do tu meka so ni kono oni ko tani kleti musi na korone di meka so donc ko tu me tele kono do mi ngo fla anga do mi anga kafe tu meka fe mi na o ni jita pou de to ni jita pou ni anga kafe de tu meka ni na ni nya kele ne tu me da mat le wot le donc so do bana so fa na ton da mat wa bana ko ngo re do fa ka ir gani ka so la donc o ya na bo juma jan tamele en kalo kele ni ko da fa le juma jan tamele o ya na bo kana o ambina Nigeria donc o taram bla tamara set an mo mi nyo mbe tamara seti a ka mana ka cha mi amme mo ba saba ko o ye combat la fly o ye tugu ka combat la fly donc fa la o ye malien uni malien famba uni e guiné una bo kana no ye donc ka soro ka fo amma ko mobile bana ko dugu ka ko ambana donc guiné uni malien munu na bora donc fa la ay information no soro ka fo ko lu cher la parce que o lu bla sahara kan tawro me ye dou la ye o tununa vraiment ali sina na ga mbo do wala antu tawro donc ba donc ala ira yake ani awsaw na nyon fe ambe je manam ngono no Nigeria ano kompana na nyon fe donc asera Niger dugu folo la asamaga donc o yang gide en kana donc kuri kono nango kambe boy ko pasi anga pape ko de benyana wa asamaga anga soro kana akadeshi akadeshi donc ugo ko no ko fu anga na akadeshi ni donc o yanga amparati uta asamaga en kanga fembe ga asamaga eno kana don camion kono ni jigina u bi kwaki mene as police u fe mar fa ere le bugo kan anwe ni mo mi jigina u bugo vele la fibla ila fil mobile kono donc antaro ko du fulana no arleti donc en cela arleti u yang garder o chugo donc malion aw re ni de donc vraiment ni ambal maudi abe kosku beke angata u no fe abe ni ro ni partager ka ci ministre me bar la tro a senga teli a temetro kan vraiment ibi djidja ibi taka am bonma munu be Niger aka tout no fait masami alay il souffre là bas ko koué wule wule kana kse ou kana sem roma mali konala et Niger mali djim sem mbublo Niger ye famu même masami alay et ko c'est à dire mo te gu djabi ye famu ou beka ou genga boukoro am bonma wredo on dit mo cité to café président écoutez ko malien dem foite to café am boro tamankera wa kosu be kake maroni fene be ke fegni amansi ki surkati ko na cliff line inshallah kani ko fene célébrer ni ala sonama donc à l'heure des infos pertinents dans tes faits son analyse ambola ermina ay burkina ka barake toy mayani nganda do la i jonga essayer très vite nganda do politique do la très rapidement
aba don ga fo ko bazum bora kamana kam fo anga jamana ma ko yani bazum ngani fo ko e mali kono mo wore ni fo anma parce que la répétition elle est pédagogique hein? Voilà akana yina de la répétition elle est pédagogique yefom donc faka doni ka fo ko bazum ngani fo fotay ni ya même mo da yefom d'après Sugel yefom c'est des psychologiques qui détruit le pays. En même temps, c'est des gens qui sont partisans. C'est du partisme. Au coro qui est à côté choisi. Donc, ne akriba la karamo feneni yon akanga diamana konala. Il est temps qu'il est très important à akri du goula. Anifrem la kafaro. Mais de quelle paix parle-t-on? Et de quelle sécurité et de quel développement? Dans une situation où, particulièrement pour le Mali, je vais parler du Mali aujourd'hui. Parler de cela aujourd'hui. Pendant que le peuple malien est pris en otage par des gouvernements arrogants, je dis bien arrogants, on ne cherche pas une solution, la communauté internationale est dans son orgueil, nous nous sommes dans notre arrogance et le peuple est en train de mourir, vous venez parler de paix et de sécurité et de quoi ici? De quelle paix s'agit-il? Respectez un peu ce peuple. C'est pour cela que j'ai parlé de l'arrogance de nos dirigeants. Je le dirai ici, je peux sortir, ils vont m'interpeller, mais je le dirai, leur arrogance et l'orgueil de la communauté internationale, c'est le peuple malien qui est en train de payer ça. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Une classe politique moribonde, qui ne bouge pas, qui n'existe plus, une société civile qui a cessé d'exister, il faut le dire. Et aujourd'hui, on est trimballé, le peuple, entre des gens qui veulent une transition indéfinie. Donc, Malien, nous sommes là, tu as dit à Climat Oudema, nous avons cité Doneka, 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 Non, toi, mon cas, on a raté, mais ça, c'est suffisant. Donc, Nieni Nadie, quand tu écoutes notre imam, Ani Bazoum, c'est le même mot, hein. Il n'y a pas de différence. Hein. C'est du partisme. Il faut que partisme. Ce n'est pas des mots patriotiques. Donc, mais donc, quoi, quand, parce que nous avons même mot là, confusé. Aïe, quand on, c'est extrêmement grave, qu'on a un gouvernement arrogant, que c'est le peuple malien qui souffre. Que rien ne bouge. Donc, en Akumoro Kandoni, il ne faut pas oublier, notre imam est dans l'affaire politique au Mali depuis l'Antiquité, depuis au temps de Moussa Traoré. Après Moussa Traoré, il était parmi, quand on votait la première constitution malienne, il était parmi ses membres. Et il a même prié ce jour. Le Mali qui ne bouge pas. Parlons de ce qui ne bouge pas. D'après mes recherches, le Mali est dans le pétrin depuis dans les années 1990 et il y en a même qui ont dit que depuis dans les années 1988 ou 87. Amakuma imede. C'est-à-dire que Mali be fighti qu'on a là depuis 87. Mais pour être un peu gentil, pour que ngana kuma kana ndu, beda benamuma ko 90. Il dit que nous sommes arrogants et nous sommes en train de prendre le pays en otage. Voilà un monsieur qui fait partie parmi les décisions, les gens qui prenaient les décisions du Mali depuis dans les années 84-87. Depuis en ce moment, le Mali est dans les faillites où il était. Parce qu'il n'est pas sur la table du gâteau. Il dit que le pays est pris en otage. Donc, il m'a dit qu'il a dominé la drone. Donc, il va falloir ko jamana tara otaji la parce que ils ne mangent pas nous date politique là et ayaka voko fena soro donc fait que mon famille on y en a quoi. Il faut prendre les gens par leur valeur, c'est ce que je veux dire. Il faut prendre les gens par leur valeur, c'est ça leur personne. Ni moi ira il lâche que ikadala, mais je vais aller un peu plus loin. Donc la photo parle beaucoup plus que les mots d'après les savants. O teneka kuma ire ya fo on y en a ngabe jamana intu ngajo ama famiao. Moi, je viens que de me sauver. Notre pays sera construit. Et c'est les Maliens qui vont construire. Parce que ma cité se retourne. Toi, vous écoutez, n'est-ce pas que vous avez dit que vous avez serré. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que la photo parle mille fois plus qu'elle est dit.
toi vous l'écoutez ne quoi photo mais comment que tu me photo ça toi vous écoutez donc aïe photo là j'ai donc mais là mon équipe photo il n'a c'est ça pour la garde dans la fo quand moi dans c'est là sur quel gars comment les deux comme masque nous on a la tête dure sur quel côté quoi on le corolle nous masque n'a et so bien on le quand on est niobani donc pour la garde dans la fo quand toi vous barrez avec un monkey ni photo il abina no fe aya partager je veux 1000 partages pour que ça histoire ira aula aka donga fo ko ya rien de confidentiel ici me fa mon fo onyana fo de tia mou est confidentiel donc on parle de deux dirigeants et religieuses n'est-ce pas anga mo buya taw anga dambe na nga karma anga ardine ko no do anga tabiala en tatou là, Allah est extrêmement média annié. Les Blancs ont commencé à faire ça depuis dans les années, depuis il y a 600 ans, c'est les mêmes techniques. Depuis le coup d'anté, contre du main. Ok, mais ça, on m'a fait à la calla. Ah là, tiens. Né, toi, vous, ou bien Afrique, il m'a dit, maman, qu'Afrique est joy. Toi, vous, en Afrique, il m'a dit, maman, toi, vous, en Afrique, il m'a fait avec le même slogan qui est basé sur la religion. Il faut faire vos recherches. N'est-ce pas que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que les vraies richesses se trouvent au paradis pour les enfants sages, obéissants, qui lisent la Bible ou le Coran. Toi, vous n'avez pas amené une trop clean là. Toi, vous, quand on est, toi, vous, quand on est, 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 parce que quand on est, 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 quand on Tobu nana ni tori la kana amene kan datunan chuankono. Donc quand le Mali dit que il veut prendre sa souveraineté, ou ben mune ketuni, nous sommes des religieux, en amete de roi Karamo kan, amete lu santaji kulula, mais ni Karamo ni ba fokute ka santaji ke. Mais le problème est quoi? On a nos dirigeants, c'est là on les contacts doit faire. Si l'ambassadeur d'un pays veut rencontrer qui que ce soit, il doit aller rencontrer notre ministre des affaires étrangères. Donc ni je mouye pour que la bosse n'aura dron, ni te je croye, ni tobou na trodi, de pas la djena domina. Toma domare, ou klaka moure fo, tobou ko, tout de suite, ils ont sorti les armes et les fouets. C'est ainsi que la Bible a été imposée aux Africains et le Coran. Donc, masami alaye, frafou kelinga fo, kou kou bouane la, kou dame ba ouna, an tabia ba ambolo, ou kan toi, ou kelin tobouye marfala bo ankama, boyaye. C'est la même chose qui s'est passée. Quand ils finissent de faire leur manipulation, nous, on va essayer de faire pour envahir votre pays. Comme les Européens n'arrivaient pas à tromper facilement les adultes africains, ils se sont tournés vers les enfants qui se sont manipulés. Ce n'est pas le même cas qui se passe au Mali actuellement. Quand ils voient les jeunes maliens sont en train de faire des propagandas dans leur télévision, quand ils voient la jeunesse malienne essayer de défendre un pays d'autrui, avant son pays. Ce n'est pas la même chose. Quand ils voient nos dirigeants et religieux essayer de dire que notre pays est pris en otage, qui est en train d'appeler? Est-ce qu'on peut prendre son propre pays en otage? Ça n'a pas la peine. Donc, il faut que nous devons être coucroyés, ni coucroyés. Malheureusement, les Africains ne veulent pas prendre conscience. Mais malheureusement, on banne nos gars, nous devons c'est-à-dire on profite à bannir on n'y a pas de là c'est ce qui se passe. On veut pas prendre les consciences et sortir de ces mensonges qui sentent mieux dans ces mensonges et ne veut pas que leur illusion et soit détruite. Donc amène là au clé pour s'y encouler le con. Donc il est temps que en abord une illusion qu'on a là que cela soit la première et la dernière fois. Donc ils ont petit à petit détruit l'identité de nos Africains. La culture.
et la religion quand nous cadine c'est quand qu'on a maganga au bronu taï maga ngaché et chrétien bronu taï quand on date tout le temps qu'on a. C'est pour vous rappeler de l'histoire. Akadonga Foko, l'histoire se répète chaque fois. L'histoire se révèle d'après les historiens. History reveals himself. L'histoire ne fait que se répéter. On sait tout qu'un peuple sans identité et un peuple est un peuple mort. Parce que Djamana Mini, identité Tila, et Djamana Saleni, ils ont contribué à fragiliser tout un continent. Pauvreté, sida, hunger, corruption. Quand la Djamana Takachi, ka Fantaya Blanga Djamana Kono, ka Banadjugu Seranga Djamana Kono, ka Kongo Blanga Djamana Kono, ka Soranga Djamana Nyemoko ke Zoni Bandoui Anga Djamana Kono. Ka Soka Djuruta Kado Ana. Voilà la même chose qui se passe. Donc, à craquer mon chicono, qu'on y craint que c'est ça. Ni craint que c'est Allah me coupe la hermine. Voilà. Donc, au lagné religion ira au la, à quand on a faux, coco et d'oumena son roi et kinine. Ce n'est rien de nouveau ici. C'est la même chose. Au retour, il y a mon écana, ou quoi, en maquant à faire mon main, ça c'est en train de le rendre des milliardaires. Toutes les belles œuvres d'art. En mamakoui, femme que nous pouloui, en adambé, femme nous mie, matseka mounyona ketouni, parce que l'intelligence ça s'évolue. Les choses mergent. Fatou Dougouré, ouyon de ka aouna. Ont été taxés de sorcellerie par cette religion. Kasoukou djoka en taï maï, ka en ta tchénéno, arabou tari kain, chrétien tari kain no et toboui. Donc, c'est que nous-mêmes on a, c'est mauvais, ce n'est pas bon. Une sorcellerie qui ont volé pour remplir leur misère et qui leur rapporte des milliards et des milliards chaque jour. En a fait mon main, en a mon nom main, ou que le mot tako, blau tako, non, nous tado, ni rabouye mon ke, ou carola, ou kain, ou beton de dola koni, fenoke, ou beke feng main, maintenant a ke en ta main. Donc ils sont assis sur notre tête, ou si les noirs en koulo konala. Donc on nous conduit comme ils veulent. Donc, alhamdoulilah, Allah y'a mounou son ikma doula, en a barri d'où, qu'en a oral joué, qu'a photo y'a moula, la photo parle mille langages, que les dit, de mouka d'où a fort, quand tu vois cette image, il faut revenir aux sources. N'en imagine nous et drôle, c'est gana à bord là, y'a femme, toi bou, donc autour de moi, c'est la même chose. Solution fou et tout pour l'inté. Francis président ko awma ko oluyu ka jamana joto ko ya takadi otama ko c'était l'erreur solution tout bolo ou me mundo oyini on leur disait d'abandonner les prénoms africains, c'est pas le cas kangan to toy ali amerika mo bu diwlo ya amerika malien ko bangu diw to da to la ko parce que le sang ko la ben ala na kratie amerika malien bo kebe kunjili damna ala te ban. Ils se sont assis dans notre tête. Qui seraient des prénoms diaboliques pour les prénoms européens. Qui seraient des prénoms des saints. Aujourd'hui, la majorité des Africains s'appellent Marie, Antoine, Félix, Pierre, Joseph, Frédéric, Olivier, Jean, Thomas, François, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'ils se sont assis dans notre tête. Voilà ce que Chogel disait aux Africains et aux Maliens avant-hier ou hier, en 1884. Mais ni nano okuma ere la dié, quand tu vas chez les Arabes là, moi mo dié here bébé arabou de boulou. Arabou ke yaga mobli ira orona Dubaï, il a plus de 300 voitures. Il a plus, mobli mbabou la 300 voitures, bon, hôtel mbabou le dié femme befe. Donc il faut qu'il y ait un body numba en kongolo de kono. Quand c'est pour vraiment vivre ici et avoir au-delà, non, on doit oublier ici et aller au-delà. Mais eux-mêmes qui nous prédiquent ça, le moment doit en kongolo qu'on a là. Eux-mêmes ils ont tout, ils ont tous les dés. A flambe boulou boulou. Moi j'ai dit ça parce que ne pouvons jamais qu'on parle de mes amoureux. Donc ni aille photo ou yedron, il faut faire, anglais à ma fondement, you have to place the dates. Il faut faire les points à la photo. Ça va t'amener à tes ressources. Hein. Ne vous soucie pas du futur.
C'est pas le cas. Eh, machallah, anga bedi alama. Il va falloir ala yeta bela. Ala koko makana moko tonyo. Ala di ko onwa kurane kono. Ko moko tonyo la. Kale ala yere de be kele ke ofe. Ola ala koko ka intérêt hiriba. Ala koko ya haram. Yala, ngani ko ayo kurane kala launi. On te tra amba kala ni ikra bismi rabbika ladi kala 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 insana min alaq. Ala ko temenge moko tonyo mandi ala subhanahu wa ta'ala. Temenge ala ko ko e mundi fantama e mundi fama ma ko beki matrafai tala. Ala koko mamme mata minala fere neka kemedema ika sarane kemeflala ala ko ko ala yere be keleke mo mboke ala di kuma kai ni de ko wakata sifra ka so ba malu bo tobe ni kolori bulu tobe ni ala di be kelela tobe ni farafite kelela de wa ala te jien wuli ka so ma tobe malu parce ala ko mama be mata domine ka fero faruka ata ko se ki tata ya galunga ala ko ko foka jien wuli kale bi kele ala di afo kurane kono ka bi kele ala ye kele fo ala ko kabe ali jeneyani e musurkuya ala ko kabe yafa mais masami ala ye ala ko kabe mami kele kurane kono oye mami ye yiriba duna ala ko kale be kele duya kono abi kele yo malkiyama mo ko kono mal ko na ko benon donc to wobe ni kauna to wobe yiriba duna di oni ka kala ka yiriba duna o sigan kuna ka juruta ko kari jamana la pour nous endetter ibe kala dosala la ibe kala obe baibe do re tatuni ala ko be ta wor printedi parce que ma cité sont les photos parlent plus qu'elle est dit à l'aide des infos pertinentes. Moi, Dante, j'ai fait mon analyse. Ne vous souciez pas du futur. Jésus contrôle tout. Allah contrôle tout. Il ne laisse pas mourir les oiseaux du ciel. Comment ne devrait-il pas s'occuper de vous? Donc, quand on a dit le fouille là, qu'on a noté ça, donc on a dit le tourmina, on ferait le balot. En notant, on veut qu'on ait ce pied. Devrait-il pas soucier de vous? Pendant ce temps, les milliards et des milliards, les milliers de personnes mouraient de faim tous les jours. Ce n'est pas le cas aujourd'hui au Mali. Ali Bikonta, on a dit qu'on en 2023. Il ne faut pas vous soucier. On a été programmé dans la tête. Quand on a dit qu'on a est-ce qu'on faut les privilégier? Je veux une belle maison. Est-ce que folie au Kumadugui? Me fait na si nous regagna. Yani ça a cassé ma. Est-ce que au Kumadugui? Non, à fora en ma. Ko angana joro shila. Ko anta sora ya kama sora yomal kiamma. Mais mami mo fo. Iba keme labo. A bikonotoni konoton. A bebe sonima kono. Mami mo fo. Kadamne Malila. Kadamne Amérique. Kadamne Makan. Moko moko ba fo. A beka condition be di arzina ba bebulu. Ni arzine. Ni moko mtara kana koni. C'est la guerre des conditions. Ne vous inquiétez pas, mais ils s'inquiètent. Les milliers de personnes mouraient de faim tous les jours. Si un colon ou quelqu'un d'autre, de coup de bras, doigt, ne fait absolument rien, montre-lui le bras couché et laissez tout entre mains du Seigneur. Ce n'est pas le cas du Mali. Ali Bi, nangwa mbulu kanga jamana ko keleke, kanga bedi alama, beyafo. Alors que ala kuka be bed me ala kukuni ki ala kukurane kono ki pege warani no win don maraka ko lumeno ala de koko arama den ki pege kuni pege ki bale ala soronye awu fore ala mo foki sigre ako ki ka wale ya kuni ya wale ya ki bale ala soronye mais unan ubenn fanye wajul kero la en plus part ubenn fanye e u ka fon kono tobuli ka barani ni beto u ka barri arabuni e espagnolu de die kla quoi portugais. C'est eux qui ont partagé le monde. Voyez que Bella, ou tra les Indes, ou rebe Indou Frafouni, Bimou Blanare, ou Bena Mena, depuis dans les années 1498, depuis dans les années 1498, ou tra les Indes, Massacre Mintra Indes, c'était un Portugais, il s'appelait Dagama. Dagama, a trani Moro Keme, ani Biwolonvla. Et moi qui m'a dit biolonvla à trano de haine qui a haine bemne à ben ala nakrate to bu bima to blaka kula. Donc ils n'ont pas d'autre jeu que ça. Donc les gars en besso akli là anga donc a fo ko trop c'est trop, on peut pas faire les mêmes erreurs et essayer d'avoir les mêmes résultats. Donc les photos parlent mille fois mieux anga masakeu amma makeu ko kala ma trop weni ben na toy
masami alaye o maseka kelen gagner de mais on bien bi on va gagner ni alama fuikana inshallah ya tawakkaltu allah fahamal yumal yurid munkira wa kira ala ba saudike na mafoko mo siki siki ka be nyana bo ni mo mo fonyana c'est faux et c'est archi faux ni tramaran ni tra arabu ga jamana kono tapi mi kaini tapi bey o be solo rika tapi mi ngam magani tapi be o be solo rika o be wurulike ni nyogome kolo de nyogome kolo adobe bene era bulu tout ce qui est luxury o re bulu bulu il faut bien femme kaini femme bey o re bulu bulu maintenant ko femme kaini femme bey kambo nyini afuka ngana afuka nga ye ka nga jabe ko donc to woni arabu yan am maratani donc quand tu vois les photos il faut vraiment te rappeler que c'est la même chose, ça s'est produit. On a un camani religionné. Donc chaque fois nous mettons quelle, on veut doit en canoli parce que c'est leur manière de se battre contre nous. Aya famia, on remet mon trop fort. Mais n'y a-t-il de fournir? Donc on a n'importe comment, on est à la sonama. Mais c'était sur normal qu'on a trouvé. Fournir sur normal cadier. Nous sur normal qu'on est cadier. Moi je ne peux rien faire pour toi. Mais nous sur normal manier. Mais ça m'est allé. Ame ala ta fo yena ne to boudi on doit faire très attention donc au retour ou même ka ona ou be djuru do ana il nous endette mais voilà ce qui fait pitié mais nanda do fene la mais yani nanda do ola ye fo mia il faut que ngai ola mou me ka on se rien mais documentaire ni do kala ako laje aka laje to bou be ka mou ka ona on be ka valeur on ba aninda fem nou ka Yer fumoya, ou bien on torto mina pour gagner ce niveau ma. Ce qui veut dire que en Afrique les problèmes sont quoi? Yer fumo, amanga temps est passé. Islam est cadenet que tu me beka. Alhamdulillah, me fait beta que j'en ai passé. Alors que moi, mon gars, on s'en est mis au diacono islamé. Moi, mon gars, islam est à couvrir bien là. Mais on a voulu doit d'affaire. Mais on a fardé ok. Alhamdulillah. Mais où est mon cas on a? Toi, vous ni arabou. Ou quoi? Amanga temps passé église ni misri qu'on a là. Autant que ou le beka recherche qui. On a vivre passé religion ka yefom on a nyina dumuni ko ulube ka nga dugu sul yefom on a nyina nga kenya ko docteur so nyina mo bugo dugu kono amek mala elm nabbi arabu de be kleme ka amerika fa be ka docteur soare be ka docteur ade kala parce arabu ba do ko sanuni pétrole kat na jiko jet na la baba to ba do arabu ba do nga fo ko le monde va retourner à l'intellectuelle propriété akli fe me akli kono jebe la ba odima donc ulube ko préparer on a temps passé et ministre qu'on a ni église qu'on a là. Alors qu'on peut faire tous les deux à la fois. La guerre conditionnelle. Donc ce qui fait que ministre Tanga ministre Kachani docteur Soy. Ministre Kachani école Soy. Ya fam. Ministre Jamaka Kachani jamana kanabagay. Église fera met en tout là. Ya fam. Learning education c'est la même passé. Développement té. Ya fam. Économie tienne nous. Antes savoir que Alan Tseka Seneke Touni. Vous voyez, on a été conditionnés, mes chers compatriotes. C'est la même chose. Mais Mamrouma en Blakani Beke, où ils ont les meilleures conditions du monde. Donc il est temps de vraiment revisiter les choses. One. L'Afrique est le seul continent où on trouve plus d'églises et mosquées que d'écoles et d'entreprises. On est les seuls à penser que la religion est plus importante que l'éducation, l'emploi et le développement économique. Tout. 6 lieux de prière sont 100 fois plus fréquentés que les bibliothèques, les laboratoires. On est les seuls à placer la croyance au-dessus du savoir et au-dessus de la science. 3. Les pasteurs et les imams sont de loin plus nombreux que les médecins. On est les seuls à faire passer la religion avant la santé. 4. Les Africains sont encore les seuls à faire passer la religion avant l'agriculture. 5. Quand les Arabes et les Européens ont un problème, ils trouvent une solution. Et quand nous les Africains avons un problème, on laisse à Dieu. On est les seuls à abandonner nos problèmes à Dieu. 6. Presque tous les continents se protègent avec l'arme nucléaire et les Africains se protègent avec Jésus et Allah. Sommes-nous les seuls à faire... Voici la preuve de la naïveté de l'Afrique. 1. L'Afrique est le seul continent où on trouve plus d'églises et mosquées que d'écoles et d'entreprises. On est les seuls à penser que la religion est plus importante que l'éducation, l'emploi... et le développement économique. 2. 6 lieux de prière sont 100 fois plus fréquentés que les bibliothèques, les laboratoires. On est les seuls à placer la croyance au-dessus du savoir et au-dessus de la science. 3. Les pasteurs et les imams sont de loin plus nombreux que les médecins. On est les seuls à faire passer la religion avant la santé. 4. Les Africains sont encore les seuls à faire passer la religion avant l'agriculture.
5. Quand les Arabes et les Européens ont un problème, ils trouvent une solution. Et quand nous les Africains avons un problème, on laisse à Dieu. On est les seuls à abandonner nos problèmes à Dieu. 6. Presque tous les continents se protègent avec l'arme nucléaire et les Africains se protègent avec Jésus et Allah. Sommes-nous les seuls à faire... Voici la preuve de la naïveté donc, de l'Afrique. 1. Donc, il est l'Afrique temps que est le seul... À l'ère des infos pertinentes dans tes faits, son analyse. Donc, c'est ça la réalité. Nous ne sommes pas des pauvres. On a été seulement dirigés comme ça. Donc, à mes bonnes années, à la mafoui, 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 à la. Je vais y revenir encore sur d'autres choses. Ambola Erimina anga dado irishila la, mumika kake irishila ni Erina. Masami alaye Putin ga jamana a bombardera okera obesikile nyana. Putin ga jamana bombardele, masami alaye Putin y tasara. Mais Putin c'est un vrai leader. Aye mounike, Putin il a vraiment dit que, ko vraiment, ko il est temps que, ou lukase kouka protection, ou ka, sari, ou kwa jamana ka protéger plus. Mais mounkera okera, mais il est temps que ou comme missile anti-missile aérien vraiment coupe c'est qu'à renforcer Alsa comme mais qu'à braquer n'y a comme mais coup dommage il va marquer mais faka donc à fori et vraiment et Ukraine et Munke Poutine là il va jamais oublier parce que Poutine n'a rien ciblé, c'était un lieu très 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 stratégique où tra Poutine n'a c'était le Niger d'où n'a flotté bombe romina où tra yoro de bombardé et fond donc où mataka yoro kunta bombardé où tra romi où tra d'où ni maro. Là où les élites habitent, outara ou les détournants tu vois. Mais elle peut nous marquer mais avec ce discours là. Et donc on sait qu'il y a ces attaques de drones aujourd'hui. L'armée russe qui a été obligée de répondre. La Russie a été obligée de répondre aux velléités du régime de Kiev dans cette guerre contre le Donbass. Et nous avons donc lancé cette opération militaire spéciale sur le territoire de l'Ukraine, mais nous avons des armes de haute précision à longue portée et qui nous permettent de frapper les structures militaires, les dépôts de munitions, les centres logistiques qui permettent la conduite des opérations. Et nous avons déjà dit que nous avons effectué des frappes sur les centres de prise de décision en Ukraine. Et il y a notamment l'état-major du renseignement militaire ukrainien. Et en réponse, évidemment, le régime de Kiev a suivi un autre itinéraire, c'est-à-dire la tentative de défrayer la Russie, ses citoyens, et de frapper des bâtiments civils. Donc c'est un signe évident d'activité terroriste. Mais premièrement, je tiens à dire que le système de défense antiaérienne de Moscou a fonctionné de façon satisfaisante, bien qu'il y ait eu des problèmes. Nous avons rencontré certains des problèmes. Par exemple, on avait rencontré ça sur la base de Hmeim en Syrie. C'est-à-dire que il y a un territoire, le territoire lui-même de la base de Hmeim en Syrie. Mais d'une manière générale, on comprend qu'il faut densifier ce réseau de défense antiaérienne et c'est ce que nous allons faire. Mais ce n'est pas tant cela qui nous inquiète que les tentatives de susciter une riposte de la Russie, c'est-à-dire qu'il nous incite à lancer des mesures de représailles. Mais les citoyens de l'Ukraine, qui évidemment n'ont pas leur mot à dire dans ce régime de terreur totale, doivent savoir que ce à quoi leurs dirigeants les incitent aujourd'hui, vers quoi ils les mènent, et il faut qu'ils comprennent qu'il y a d'autres aspects. Il y a par exemple les atteintes au fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporogie, ou les risques qui sont autour de cette centrale nucléaire. Et on comprend bien que, quoi qu'on dise, on cherchera toujours à déformer les choses de façon pour dire que c'est la Russie qui est coupable. C'est pas nous qui avons lancé cette guerre. Encore une fois, c'est en 2014, il y a eu un coup d'État à Kiev.
et ce n'est pas nous qui utilisons les moyens qu'utilisent les autorités ukrainiennes. Et la preuve, c'est justement cette attaque contre des sites civils à Moscou. Encore une fois, le système de défense antiaérienne que nous avons fonctionne. Il doit être perfectionné, nous le savons. Donc, mais Poutine n'a pas gagné, car il a bien fait que nous avons gagné. Donc, Poutine a dit que vraiment, qu'il allait gagner l'Ukraine d'une, que l'Ukraine a massacré, qu'il a provoqué tant, qu'il a fait ici, qu'il a représailles de qu'il a dit qu'il a gagné. Comme, mais il a fait que l'Ukraine n'a pas gagné, que cela ne peut pas continuer. Parce que nous, quand jamana mogo tura ko ni riski ta kan ko sku ke ale la vraiment abna ke cheni bay akay jamana ko ko do ko yukore nga do nga fofene ale bi se ka ko ke mo nga jukuni ni bay na ale dia ale bi yukore nga centre nucléaire aba bombardé do na le bombardé o yukore ko bané yukore bébé ça ané mo Poutine kumana yukore non ni fait on dirait que c'est lui le président de Ukraine. Parce que Poutine s'inquiète de l'Ukraine plus que les Ukrainiens. Quand tu comme au cas dont la forme me caque, donc à Kanaku na e barcanté ou lukanku, t'as tourné un truc non? À Kanaku kono ko abarum. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Comme fait Diego Kalama. Donc au cas dont la forme, ko allez ma clé improvoquer depuis 2014, ni clé d'amener là pour aller te ka bomchi ou ka civile ou non. Donc au cas dont la forme, ko ni ko imo au niveau là. Ko mener ni continuer là. Il va avoir des représailles. Aux représailles d'or, il a été très spécifique. Quand les centrales nucléaires qu'on ban, l'Ukraine qu'on a là. Nous donc là, on est banné. Dans un pays industriel, les centrales nucléaires ban, on est déjà banné. Donc, où est mon gars Poutine là? En Andalou là. Où est mon gars Poutine là? C'est très très important à Koumoukan. L'attaque de drones d'hier ne visait pas seulement Moscou. Elle visait rue Blahovka et une zone immobilière d'élite dans la région de Moscou. C'est-à-dire Moscou n'a flotté qui bau ou bien viromina. Yefom n'a flotté qui bau bien viromina ou tera au roi de bombarder. Des drones abattus près de la présidence de Poutine, sécurité d'élite et russe. Donc, ou tera Poutine n'a pas l'air qu'elle fait là de bombarder. Oui, il y a quoi est-ce que Poutine met? Donc, mon maçon au Djabi, ils n'ont pas répondu. Donc, c'est quelque chose qui est très très sérieux. Il ne faut pas que le monde regarde ça et comme amusement. Poutine même a dit ça. Poutine, qu'on peut faire avec les représailles. Donc nous, madame, à la même chose. Donc Poutine a été très clair avec eux. Nous, moi, ça va dire, avec les représailles. Les représailles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devenir quoi? Ou résident de nombreuses personnes et parmi les plus riches et les plus influençants. Et les plus influençantes de la Russie. Y a compris Poutine. Donc, ou tra djamana numéro de kama. Ou tra djamana numéro. Abou mini tra la gang kisi ki attaque, mita kati attaque. Donc, ou barou beka mouke. Bon, tou beka ndawa kama de. Parce que, ou tra oube mouke 600. Mais, Poutine tna se ou matouni. Donc, ou la Poutine yé et Ukraine be avertisse. Il avertisse toute Ukraine. Il dit qu'il va avoir des représailles si cela continue. Et il a été très spécifique. Alors, c'est comme ça tout a tché. L'attaque des drones d'hier ne visait pas seulement Poutine. C'était vraiment pour détruire et l'hégémonie russe. Parce qu'il n'y a pas de guerre de Chijon. Ni n'y a pas de guerre de Chijon. Donc, quand Poutine se trouvait probablement dans sa résidence, Navo Ogravoka, parce qu'il est sous Poutine boulot. Donc, où me fait que Poutine ne frappe précisément. Et l'objectif, c'est Poutine nous fait mourir. Donc, ça, c'est très, très sérieux. Il ne faut pas que nous nous négligions. Mais nous avons dit que nous avons dit que Sarkozy là. Pour une fois dans la vie de Sarkozy, il a été honnête. Bon, Poutine, d'où il a été faux, il a été spécifique. Quand l'Ukraine et centrale nucléaire, ou la Sarkozy, quand on a dit que Sabali, ou qu'on a dit que Poutine fait. Parce que nous avons dit que Poutine fait. C'est pas la peine, ça sera la fin du monde. Quand de parler et Jeda domina, comme maman délégué Jamana gagné, Jamana Mimbe Irish la Sazila à la main. La Russie est un allié naturel et un partenaire naturel. Je ne veux pas que l'on regrette les conditions de la guerre froide qui a fait tant de mal sur le territoire du continent européen. La Russie est grande comme 46 fois la France.
à deux fois la superficie des États-Unis d'Amérique, à 150 millions d'habitants. Dans l'histoire de l'humanité, jamais un pays qui n'avait pas la population pour occuper son territoire n'a été envahir le territoire d'à côté. Expliquer que la Russie va envahir l'Ukraine, c'est une méconnaissance totale de l'histoire, de la démographie et de la volonté des dirigeants russes. L'Ukraine est un grand pays de 42 millions d'habitants, dont 30% est russophone. L'Ukraine est un pont entre l'Europe et la Russie. Le jour où vous coupez le pont d'une rive, le pays n'a plus de sens. Plutôt que de pousser l'Ukraine dans un côté ou dans un autre, il ferait bien mieux de pousser l'Ukraine à avoir d'excellentes relations avec l'Europe et d'excellentes relations avec les Russes. Parce que si vous obligez l'Ukraine à choisir l'Europe plutôt que la Russie, que deviennent les 30% de russophones en Ukraine? La première décision du nouveau gouvernement ukrainien ayant été d'interdire l'usage du russe sur le territoire de l'Ukraine. C'est une... Donc, Niron Laiba donc a faux que Poutine c'est un leader qui a la tête sur les épaules. Qu'il voulait que j'ai fait des représailles. Mais il veut que les Ukrainiens comprennent. Donc, en un mot, avec comment Arika Djamala Doun le fait. Parce que 30% de la Ukraine, c'est des russophones. Donc, Sarkozy ne faut franciser depuis avec Fangala, Kaliseka, Aliseki Dadou Kerela, Krembatou, parce que les Russie ou Luka partenaire naturel, c'est des Européens. Donc, Macron, allez, n'allez qui est blanc, qui est fou là. Bon, avec quoi, Kassir Kébi, n'y a qu'à discours là, avec quoi de faux. En même temps, il est là. Tellement que c'était un président naïf, Aïto la Tourni, que cette guerre-là, que l'Ukraine ne va pas perdre. L'Ukraine ne va pas perdre. Toi, tu n'envoies pas les soldats français pour aller défendre l'Ukraine. Et tu t'assois seulement, tu dis de beaux vocabulaire. L'Ukraine ne va pas perdre. Pourquoi tu n'envoies pas les Balkans à l'Ukraine pour aller se battre, hein? Qu'est-ce qu'il t'entend, hein? Donc, voilà un président bandit qui est Macron. C'est grave, hein? Ah, mais comment la Hermina? 16 avions et 400 chars détruits. Avions tant en waro. On les détruit là. Masami Alaye, Ukraine fait. Kemen nani. Char combat kemen nani. On les détruit là. Rishi l'a fait. Ukraine ga menauna. On y avions tant en waro. L'armée russe dresse les désastres prêtes de Kiev. 16 planes and 400 tanks destroyed. Russia army bear the devastating losses of Kiev. Donc vraiment, c'est grave. Ça dit, c'est-à-dire, fouillé et Ukraine pour le tourner. Ça devient plus grave. Vous trouvez que là-bas, vous faites que là-bas, vous voulez orner. Donc, ni Poutine, ni Poutine, Diadro, Abe, Douin, Tagabo, Diakono. Abe, Douin, Tagabo, Diakono. Bon, à tout ce qu'on a, parce que allez, regarde, Douin, 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 là. Mais toi, vous pouvez provoquer, vous pouvez institutionner, vous pouvez essayer de pousser. Donc, vraiment, l'air est grave. Amola Hermina, Amérique, Lazy Graham, allez, mon tara, kataka, cognos, sincère, kataka, Ukraine, kataka, siki, ki, drogo, kata, Ukraine, masami, alaye, anale, aka, jamana, konala, ou tara, kumbe, il n'a pas qu'on beau. Il ne faut qu'on bosse qui sigle, maka, kata, kumbe, safkarana, aéroport là, kate, kouka, sénateur, et tout, il faut qu'on ça. Savkarana ka ko kote l'Instagram febi kuya haramia parce que aba don l'Instagram et Donald Trump de ato avec la gouverneur deuxième fois là suna kunte ta donc Donald Trump do ni Poutine kadi républicain ni Poutine kadi masami alaye ayi dogo de katran katra discours kunte nke ayira caméra là an ale aka jamana kono américain ne flené ka aéroport fantéu kote l'Instagram fetouni ko dia fantido ko jabare ke chrétien katika chrétien ke parce que dans notre monde nous chrétien on est ou te djelbon il fait nous faire nous ka kobe c'est racisme ou te djelbon nous fait mais ou djelbon mais ken état les républicains ne sont pas partants parmi les plupart donc masami ala les gram telen ou ke analyse safkarana ou flen kata wo cha la report là ala je jafanti et jafanti de et jafanti de et Jamana Jamfa, et en a parti, ya Jamfa. Et bah, don mon kera tchete, et bah, le galon d'eau. Et bah, ton intro la fogati ça, et t'es changé,
et mon colonne, mon halakile. Antifa. Antifa bi. Mon lancolon, mon fou. Ah, ni a ni l'Instagram ni de. Oui. Donc, ni l'Instagram ni Masami Alaye a République ont trahi Aou Jaffa à travers l'Ukraine et Kassoro et République ont taclama. Donc, à République ont valeur. Ateka ateni ganya donc masami alaye ni akumetuli ya kajamana konala aka eta no isaf karlane avec eta mi e presenté donc ateka eta pour presenté donc o anyabala mobin neke u be sigi mun kama uta batu u be jamana don galonte ke jamana donyi u sigi ku ngano ko kedron utoke donc vraiment les gram ateka sénateur et tourni foka tasa parce que vraiment avec amou supporter ni temps et ce n'était pas vraiment les souhaits de saf karlanien à l'heure des infos pertinent. Moi, Dante, j'ai fait que mon analyse. Amola Hermina, pour qu'il y ait un affaire, colère est grave. Amola Hermina, Chine fait oula à Delcola. Malheureusement, Malien, ne bolement africain, ne international, nous vous y katakada. Oh, ma, ça fait le gré. La Chine, un avion militaire américain intercepté par la Chine. Chine, oula, kata, ça fait le gré. Ma, ça m'y alaye. Waso américain wa avion dobe obeki ikumbo yaya kumba lolo kumba yaya ngache sino utara kata break news ulala sino utara kata américain wa avion krefe kafo américain nyana konu te fe ko avion bombardé 100 kuko buka zone 100 ko sino bachi nawo mesa o mase alakala de aya mina kafaru akaga. C'est une scène captée vendredi dernier par les médias américains qui en dit long sur les tensions du moment entre Washington et Pékin. Avion américain, ici l'armée de l'air chinoise. Vous approchez de l'espace aérien chinois, gardez vos distances ou vous serez intercepté. Survolant la haute mer entre la Chine et les Philippines, cet appareil de la Navy est soudainement escorté de près par un chasseur chinois. Selon l'équipage ici, il s'agit d'un avion de combat biplace équipé de missiles. Il est à seulement quelques centaines de mètres de nous. Il vole si près qu'on peut même voir les pilotes. Chine et États-Unis face à face. Dans cette zone stratégique est disputée la mer de Chine méridionale. Un tiers du commerce mondial transite par ces eaux revendiquées par Pékin et par plusieurs pays voisins dont le Vietnam et les Philippines. Pour faire face aux géants chinois, le gouvernement philippin vient d'ouvrir l'accès de plusieurs de ses bases militaires à l'armée américaine. Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que le président Marcos a approuvé notre accès à quatre nouveaux sites dans le cadre de notre accord de coopération en matière de défense. Cela porte à 9 le nombre total de sites. Le département américain de la défense doit s'assurer que pas un pouce du territoire de notre nation ne sera perdu et que la sécurité de notre peuple sera assurée. Washington renforce sa présence à quelques encablures de Taïwan. Mène des exercices conjoints avec l'armée philippine mais aussi indonésienne, manière de montrer les muscles à une Chine qui elle aussi étend insidieusement sa présence. Depuis plusieurs années, Pékin s'approprie des atolls pour faire sortir de l'eau des bases militaires avancées. Exemple ici, entre août 2014 et septembre 2015, un îlot progressivement transformé en aérodrome, avec piste d'atterrissage. À ceux qui s'émeuvent de la présence de navires de guerre, Pékin assure qu'il s'agit de pêcheurs. Ces récifs font partie des îles chinoises Nansha et ont toujours été un abri contre les rafales de vent pour les bateaux. À l'aide des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Donc, il y a que Chinois ou Américains ont la guerre, que ce n'est qu'une question de temps. Alors, il y a qu'à faire que 2025, que l'Amérique et la Chine ont la guerre. C'est-à-dire, ou bien Marfa Chinyona, ou bien Bom Chinyona, quoi. D'après toutes les analyses. Donc, à la can Kishoma, à la can Oke, parce qu'il y a un créateur, vraiment, à te bien, moi, je te gagne au guerre là.